present a model for governance that would be suitable for Sensorica and other open body measures, right? I'll do this in French. I hope that people will follow the translation of this. So this organization, as far as I understand it, is based on sharing. You want to share, an open space, technology, material, any kind of resources. Et je vais le faire en français pour être sûr. Donc, et à ce moment-ci, il y a différentes structures qui sont applicables à ce que vous recherchez. Donc, et moi, ce que je viens proposer ici ce soir, c'est une structure qui a l'air traditionnel et qui respecte un peu les modalités modernes. Donc, on exige, pour être une personne légale, de respecter certains formats ou frames pour pouvoir ensuite exister, ouvrir des comptes bancaires, transiger au nom de l'entité en question. Donc, moi, ce que je viens de proposer ici, c'est un ensemble qui correspond à vos core values ou les valeurs que vous êtes donné, tout en respectant le format, un format traditionnel qui vous permet d'opérer et de maximiser vos chances et maximiser votre crédibilité, parce que c'est un peu ça. Plus qu'on est crédible, plus qu'on permet de faire beaucoup, plusieurs choses. Donc, à ce moment-ci, moi, ce que je propose, c'est que Sensorica, qui devient la forme centrale, s'organise sous différents types de membership. Donc, une formant association, c'est un format où tous les membres se rassemblent et décident du motif de leur rassemblement. Donc, Sensorica, c'est un melting pot de gens qui ont décidé de partager leurs ressources, leur savoir-faire à des fins de création et de leverage, si on veut, des autres créations des autres. En offrant un membership qui est ouvert à tous et qui est flexible, on ne crée pas de caste comme dans les anciens systèmes. Donc, en offrant, là, je propose 3 memberships, mais c'est sûr que les memberships peuvent être différents. Donc, les 3 systèmes que je propose, c'est tout dépendant de l'implication que le membre veut offrir à l'organisation. Donc, je propose un membre régulier. Alors, le membre régulier, c'est le membre qui va participer au partage de l'information. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir accès aux découvertes, à tout ce que vous partagez, va avoir accès aux insights, aux lettres, aux conférences que l'organisation va offrir. Donc, c'est un membre qui est intéressé à ce que Sensorica fait, les découvertes qu'elle fait. Donc, c'est un membre qui est plus dans l'aspect observateur. Donc, il collabore en tant que membre, mais il est plus dans le rôle de l'observateur. Il peut devenir un membre, que je dirais un membre opérationnel. Et là, le membre opérationnel, c'est celui qui dit, bon, à ce moment-là, moi, je veux m'impliquer. Alors, moi, j'ai à contribuer, je suis un inventeur, je fais de la robotique, moi, je veux m'impliquer. Donc, il y a différents projets qui sont proposés, moi, je veux m'impliquer dans les projets qui m'intéressent. Donc là, je deviens membre opérationnel. Donc, moi, j'ai un intérêt à faire avancer les différents projets de Sensorica. Donc, moi, j'ai un intérêt aux fruits ou à tout ce qui se passe ici. Donc, j'ai accès, selon mon propre désir, de collaborer ou pas. Donc, ce membership-là, il est ouvert à tous. Tout le monde peut y accéder. C'est juste si on décide d'être opérationnel, à ce moment-là, on bénéficie d'un droit de vote. Là. Si on rentre dans le schéma, on devient garant un peu de l'angle que Sensorica va prendre, parce qu'on est impliqué. Pour nous, c'est l'investissement qu'on fait ici est important. À ce moment-là, on devient vraiment partie opérationnelle de Sensorica. Et le troisième membership, qui est ouvert à tous, on peut tous devenir financier, un membre financier. Alors, le membre financier, c'est lui qui collabore un petit peu plus au niveau monétaire. Et l'avantage du membre financier, c'est que là, on autorise des gens qui ne sont pas
intéressés plus ou moins à ce qu'on fait, ne sont pas opérationnels, mais voient un intérêt financier de supporter Sensorica. Du point de vue qu'il comprend les débouchés technologiques qui sont, je veux dire, incubés dans ce système-là. Ils veulent avoir, une première option, en être membre dans Sensorica, on est aux premières loges des débouchés technologiques qui peuvent prendre. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs financiers qui pourraient faire partie du membership financier, qui est ouvert à tous, d'ailleurs. Et ce que je propose ici, parce que tout financier veut avoir un certain contrôle de, bon, je vous finance, exemple, on va être dans les millions parce qu'on voit grand, je vous finance 1 million, mais je veux certaines garanties parce que je ne vous connais pas trop, il y a tout l'aspect confiance. Alors, le groupe de membres financiers aura un accès au groupe décisionnel par le biais d'un trésorier. Donc, le trésorier, c'est lui qui fait la gestion des comptes et tout ça. Alors, le trésorier serait une garantie pour les membres financiers d'avoir un contrôle, une gestion de tout le budget qui pourrait être octroyé. Donc, ça, c'est une garantie sécuritaire pour n'importe qui veut amener un support considérable. Ils veulent s'assurer que ça ne soit pas dépensé dans toutes sortes de choses qui frivolent et qui ne restent plus vraiment de pourcentage financier pour vraiment ce qu'on veut faire. Donc, à ce moment-là, ça offre des garanties pour tous les membres financiers d'importance. À ce moment-là, bien, on va avec ce que je propose, mais encore, c'est une proposition. Par exemple, 150 $ par membre pour devenir financier, à ce moment-là, c'est un membre, un vote. Donc, ça évite qu'une entité arrive avec un certain montant d'argent et dit à ce moment-ci, nous, on contrôle ce qui se passe ici. Donc, à ce moment-là, il y a toujours un consensus pour savoir qui est assez crédible pour permettre à l'organisation Sensorica de pouvoir atteindre ses buts, les buts qu'on s'est donnés, les buts que Sensorica s'est donnés en tant que système d'association de membres. C'est les buts que vous vous êtes tous donnés, donc le partage d'informations libre. Moi, j'ai donné quelques exemples ici. Vous pouvez créer les statuts que vous voulez. C'est l'avantage d'une association, c'est que vous créez vos limites, vous vous mettez vous-même des limites et vous collaborez à ce. Là, je vous fais des exemples d'objets de création d'associations. Donc, promotion, sensibilisation et valorisation de partage d'informations, méthodes, techniques et résultats de recherche basés sur le modèle open source. Donc, vous mettez ça large. Donc, on fait la promotion, sensibilisation et valorisation. Donc, je veux dire, là, vous définissez ça comme vous voulez. Là. C'est comme une mission. Vous créez votre propre univers là, dans tous ces statuts légaux-là. C'est votre univers que vous créez et vous structurez ça. L'avantage de la structure, c'est qu'à ce moment-là, vous existez en tant que personne et là, on vous traite comme une personne. Donc, on vous fait des fonds, vous existez. Là. C'est à ce moment-là. Comment exister, mais respecter votre environnement. Alors là, je vous partage d'autres choses aussi parce que je crois que ça peut être connexe. Mise en commun de ressources, compétences, matériels et équipements de recherche pour les projets des membres. Donc, c'est le statut que vous vous donnez. Nous, on met en commun notre matériel pour le bien des membres. Mais on s'est décidé, 3 membres, réguliers, opérationnels et financiers. C'est l'opérationnel qui profite du laboratoire parce que c'est lui qui est impliqué. Lui, ici, le régulier, tout le monde peut être régulier ou tout le monde peut être opérationnel, tout dépendant s'il va s'impliquer ou pas. Mais c'est à eux d'avoir accès au laboratoire, c'est pas au financier. Là. Puis c'est pas au régulier, lui qui est juste devant son ordinateur, puis dit « Ah tiens, qu'est-ce qu'on a découvert? » Puis « Ah, je suis intéressé par ça. » Alors, on choisit notre rôle, on n'est pas enfermé dans des gaz. Est-ce qu'un membre peut être les deux, des fois? Ben oui, un membre régulier peut être financier s'il paye le montant d'argent qu'il qualifierait pour être financier. C'est juste une question d'apport supplémentaire. Donc, quelqu'un qui est opérationnel peut être financier s'il a fait son apport minimal de 150 $. Si on part au départ que pour être membre, c'est 50 $ chaque, comme c'est le cas de la coopérative que tu as mentionné, à ce moment-là, on est tous membres. 50 $, c'est un support minimal pour voir un projet comme ça prendre forme. Ce qui peut être justifiable dans certains cas. Il peut y avoir des exceptions des étudiants, etc. Mais ça, vous créez votre environnement.
À ce moment-là, là, on dit ben, 150 $ on vient financier. L'avantage de le faire, c'est que on a un vote pour le trésorier. Donc, on peut toujours avoir un aperçu un peu. Ceux qui veulent en donner plus, ils peuvent. Puis ils ont un intérêt plus. Les opérationnels, ben, c'est ceux qui veulent s'impliquer. L'avantage de ça, ben, c'est qu'eux autres décident. Ben, où c'est que Sensoria va? Nous autres, on est impliqués dans les projets. Puis on voudrait que ça soit plus dirigé vers ça. À ce moment-là, l'opérationnel, c'est lui qui est bien placé pour avoir un impact ici. Pas le financier, c'est l'opérationnel. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous faites? Puis où vous voulez vous en aller? Puis c'est pas d'autres personnes que ceux qui sont impliqués qui décident. À ce moment-là, ça a plus de sens au niveau membre. Alors quand vous dites mise en commun des ressources, compétences matérielles et équipements de recherche pour le projet des membres, vous vous êtes donné un environnement que, à ce moment-là, on a tout mis en commun, nos affaires, pour les membres. Alors, vous vous mettez ces bases-là. Donc, à ce moment-là, ça fait partie de vos core values. Informer les membres sur les projets en cours et à venir et leurs résultats obtenus. Ça, ça fait partie de votre structure. À ce moment-là, on informe les membres. On fait de la promotion. Alors, le membre régulier, par le biais d'Internet, par le biais de petits... ça peut être des bulletins semestriels que vous vous donnez le droit de faire. À ce moment-là, vous avez tout un mailing list qui rentre en jeu. Il peut y avoir un magazine qui peut être imprimé, quoi que ce soit. Alors, vous êtes donné le droit que chaque membre a le droit de recevoir ce qui se passe. Alors, vous vous donnez ça. Alors, je vous en donne un autre. Favoriser l'implication des membres sur différents projets. Alors, l'idée, c'est de rendre les membres opérationnels. Projet des drones. Là, il y a un consensus pour dire, ben là, on a un projet drone qui est important. Là. On veut le mener à bien, le projet drone. Alors, nous, on a besoin de ça. Là. On a besoin de gens qualifiés pour ça, ça, ça et ça. Alors là, on fait un appel à tous. On fait un appel à tous. On a besoin pour le projet de drone de gens ici ou de gens intéressés. On a besoin de participants. Alors, tous les membres, moi, je suis intéressé. Le projet de drone, on a décidé que c'était mardi de 10h à 18h, exemple. Tout ça, c'est fictif. Le projet de drone, c'est mardi 10h à 18h. On a besoin de ces ressources-là. Alors, tout le monde ici peut. Moi, je suis intéressé, je suis libre. Moi, je m'implique. Moi, je participe. Moi, je ne peux pas, je suis malade, j'étais là la semaine passée, mais... Alors... Le projet avance tout le temps parce que tous les membres y collaborent. Alors, le membre régulier, il dit, tiens, moi, ça m'intéresse, ça, parce que mes compétences peuvent faire avancer le projet. Alors, le membre régulier, il devient opérationnel là, parce qu'il participe aussi au projet. Alors, on n'est pas... Bon, moi, je travaille à temps plein. Mon projet avance parce qu'il y a d'autres gens qui disent, ah tiens, moi, je veux voir ça, le drone. Moi, je veux avoir l'open source. J'ai pas le temps de le faire. J'ai pas le temps de le faire, mais je veux voir, je veux qu'il voit le jour. Donc, les gens vont collaborer à ton projet, même si t'as pas, on a pris la décision que c'était le drone qui est important. Mais là, tous les membres, ils collaborent selon leur disponibilité. Alors, c'est pas toujours les mêmes qui sont obligés de se taper l'ouvrage. Alors, il y a tout un échange et chacun vient un peu puiser en collaborant au projet. Ben là, ils viennent qui? Il développe de nouvelles techniques où il y a tout un apprentissage qui est incubé dans toute cette organisation-là. Alors, déjà par favoriser l'implication des membres sur différents projets, envoyer un listing, on a besoin de telle personne, n'importe qui. Besoin d'un plâtrier, quelqu'un qui fait de la peinture, ça peut être un soudeur. C'est-à-dire, on devient qu'on comble vraiment et on permet aux gens d'avoir plusieurs rôles. Alors ça, ça favorise justement cet échange. Donc, vous vous êtes donné, on reste là-dedans, on construit notre univers ici. Instauration et mise en place de programmes internationaux d'échange technologique. Pas oublier que vous ne voulez pas être petit, là. Quand on crée notre univers, on voit grand. Et voir l'aspect international, ça fait partie. Parce qu'on ne sait pas, moi, peut-être qu'on veut justifier un voyage... à Londres pour discuter on veut justifier ça, nous, parce qu'on trouve ça important, l'échange international. À ce moment-là, on vient de créer cette opportunité-là de le faire. Donc, on s'est donné le droit d'être international. Donc, on s'est donné le droit de faire
des voyages internationaux, d'amener des gens, de faire des échanges. On se donne le droit d'être grand. Promotion, valorisation, sensibilisation du volet éco-responsable dans les procédés de recherche. Donc, la magie de tout ça, c'est qu'on peut mettre tous les mots-clés qu'on veut. Alors, comme tu disais, toi, il y a de l'argent qui traîne pour les gens qui sont dans l'open source. Bien, tu peux être certain que le mot open source va apparaître dans mes statuts. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent qui traîne pour les projets open source. Bien, regarde, il y a de l'argent qui traîne pour les projets éco-responsables aussi. Bien, coup d'or. C'est dans mes statuts, ça aussi, regardez. Donc, on crée notre réalité en tant que membre et en tant qu'organisation. Alors, on en profite pour mettre tous les mots-clés qu'on veut. Parce que c'est l'environnement dans lequel on veut baigner. Puis on est éco-responsable dans nos procédés. Puis on se donne le droit de le l'être. Donc, à ce moment-là, ça devient partie de notre environnement. Invitation de personnalités diverses et experts dans le but de partager leurs témoignages, visions, expertises et connaissances auprès des membres. Alors là, tu as un volet international, mais tu t'es donné, bon là, j'ai trois types de membres. J'ai un membre régulier. Lui, il aime bien ça, regarder de loin. Tiens, c'est intéressant, ça. Ah, les gars s'en vont là. Puis, c'est un intéressé. Il n'a pas le temps de s'impliquer. Mais c'est un intéressé. Mais à ce moment-là, pour les membres réguliers, se donner le droit de dire, ben là, on a un projet, il y a quelqu'un qui a mentionné ça, on aurait un invité X mystère qui viendrait nous parler de l'application drone X, Y, Z. Alors là, on fait un appel à tous, les membres réguliers, au prix de 15$, la salle est réservée, vous êtes bienvenus. Sensorica, c'est un gros coup de publicité pour Sensorica aussi, parce qu'on invite une personnalité internationale pour venir discuter de X, Y, Z. À ce moment-là, le membre à 50$, et, je veux dire, non seulement il y a l'information des recherches qu'on a dans les laboratoires, mais il est gâté en plus parce qu'on lui donne accès à toutes sortes de personnalités intéressantes qui viennent de discuter soit de l'importance de l'open source, soit de l'aspect éco. Je veux dire, à ce moment-là, on a un volet qui est beaucoup plus intéressant là, en se donnant en créant cette particularité dans nos statuts. Donc, alors là, on définit par la suite, sensibilisation, valorisation et promotion se fait par forum, conférence, cercle, assemblée, rencontre, formation, production audiovisuelle, campagne publicitaire, publications diverses. Donc, on vient de définir qu'est-ce que ça veut dire sensibilisation, valorisation et promotion. Parce qu'on le répète souvent dans nos statuts. On veut valoriser, faire la promotion. On veut sensibiliser. Là, on se donne tout un maximum d'ouverture ici. Là, on peut faire la production audiovisuelle. On peut la vendre. Parce que n'oubliez pas qu'on est sans but lucratif. Dans un modèle OSDL, c'est sans but lucratif. Donc, en autant qu'on respecte nos statuts, il est possible pour nous de faire des dollars. En autant que ça serve, et c'est redistribué, et que ça serve à faire avancer les statuts de l'association. Donc, on fait avancer ce que Sensorica veut devenir, parce que nous, on en trouve des débouchés, là. Puis il y a toutes sortes de technologies qui sont échangées, partagées sous l'open source. Alors oui, c'est plus qu'on a d'activités dans nos statuts, plus que ça nous permet de générer des dollars qui nous permettent de financer nos statuts, ce qu'on veut faire. Alors vu qu'on s'est donné cet environnement-là, c'est permis de le faire. Alors c'est pour ça qu'il faut être vraiment très calculatif dans ce qu'on veut créer, tout en respectant les valeurs qu'on s'est données. Alors ça, ça fait partie de quelques-uns. Je peux continuer. Sensibilisation, valorisation et information auprès du public sur les activités et les objets de l'association dans des conférences, publications, des productions audiovisuelles. Donc, on se donne le droit d'aller at large, discuter au public. C'est quoi Sensorica? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Puis en quoi Sensorica a besoin de vous? En tant que participant. Donc, on se donne le droit de faire des campagnes publicitaires. On se donne le droit de dépenser de l'argent de nos revenus à des fins de publicité, qui est tout à fait normal. Et c'est considéré comme une activité sans but lucratif. Donc, on n'est pas taxé sur les revenus qu'on peut générer, parce que c'est des statuts de sans but lucratif. Donc, ça nous permet une flexibilité, tout en respectant ce qu'on décide de créer pour nous-mêmes. Ça ne nous empêche pas de créer l'environnement qu'on veut. Créer et entretenir des filiales et des partenariats à l'international afin de promouvoir, valoriser, sensibiliser les principes et statuts de l'association. Le tout dans le respect des règlements, des traités et des
des traités et des lois nationales et internationales. Donc, on se donne le droit de se faire des succursales. On se donne le droit d'être Sensorica Brésil, Sensorica USA. On se donne le droit d'être, et c'est tout à fait respectable parce qu'on s'est donné ce statut-là. Et bien sûr, dans toute conception d'OSBL, il faut tenir compte du fait que on reçoit des dons legs et autres contributions de même nature en argent, en valeur mobilière ou immobilière. On se donne le droit d'administrer de tels dons, legs, contributions. On se donne le droit d'organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds pour les fins non lucratives de la personne morale. Les fins non lucratives de la personne morale, c'est quoi? Équiper des laboratoires. S'assurer qu'il y ait des partenariats avec des entités publiques pour que ce qui est développé ici en laboratoire sorte avec l'aide de tous ces gens, ça sort sur le marché. Alors, c'est le but, je veux dire, on veut générer une dynamique open source, mais au final, on fait partie d'une logique qui est encore là. Et au final, ce qu'on veut faire, c'est on veut de la réussite. On ne crée pas juste pour le fun, comme tu disais. Oui, il y a du fun à créer, mais au final, il y a quoi? En quoi que nous, le travail qu'on fait peut changer la face des gens du monde, la façon qu'on vit, le respect qu'on a avec la nature, comment on peut améliorer notre qualité de vie? Au fin, on travaille tous dans ce sens-là. Alors, à ce moment-là, comment on peut respecter les valeurs où on n'impose pas des casses? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de « Tiens, moi, je veux participer au drone. Tiens, moi, je ne veux pas participer au drone. Moi, je ne peux plus. Je peux cette semaine-là, je ne peux pas. » Alors, tout le monde est libre de contribuer à sa façon, à son rythme, à ses talents. Et chacun peut... Oui, on essaye le drone. Ensuite, c'est le mur vert. Mercredi, 9h à 2h, c'est le mur vert. Ben, tiens. Moi, j'aimerais vivre l'expérience du mur vert. J'ai toujours aimé, mais j'ai jamais eu la chance de. Alors là, on ouvre des portes à une ébullition de partage de connaissances et de savoir-faire. Parce que chacun a accès à ce que la structure peut bénéficier. Donc, il ne faut pas voir là-dessus comme des enclos à membres, parce que c'est vraiment pas le cas. Chacun est tout dépendant de s'ils veulent s'incorporer dans la structure ou pas. Alors, ce qui est intéressant par la suite, c'est au niveau organisationnel, faut quand même qu'il y ait une cohérence d'organisation. Faut quand même que il y a une décision, ben c'est quel projet qui prime? Là? C'est qui est là vendredi soir? Ou c'est qui est là au labo dimanche 22h à 4h du matin? Là, je veux dire, c'est qui prend ces décisions-là? Tu sais, à ce moment-là, il faut qu'il y ait une structure en place où chaque chose est évaluée. Un peu la base, on parlait de sur la base de la réputation. Sur la base de l'implication du membre. On a un membre qui est impliqué, c'est le monsieur bénévole, il est constamment là, puis ses idées sont extrêmement efficaces, il est reconnu, il a une réputation de projet qui sont à terme. À ce moment-là, lui, son approche, à ce moment-là, d'une évaluation des projets qui se font. Mais pour avoir une évaluation de projet, il faut qu'il y ait un groupe qui est reconnu par la structure pour avoir un sens d'évaluation reconnu, là. Ah, tiens, lui, je fais confiance à son flair. Il ne s'est pas trompé. Lui, à ce moment-là, la structure décide d'elle-même, bon, mais qui est plus apte à vraiment faire de cette expérience qui est Sensorica? Qui est le plus apte à faire de cette expérience-là un succès? Alors, à ce moment-là, c'est les membres opérationnels qui décident. Là. Parce qu'eux autres s'impliquent. Alors, ils connaissent ça sur le terrain, là. Qui a besoin de quoi? Alors, eux sont en mesure de dire, à ce moment-là, nous, ben, un peu comme là, on rentre dans un statut, un CA, comme on regarde au conseil d'administration, mais il faut voir ça d'une structure où, à ce moment-là, on se donne un cercle de personnes à qui on fait confiance, qui auront le choix de structurer ou de faire en sorte que cette expérience-là, Sensorica, en est une
plaisante pour tous les membres. Parce que c'est l'intérêt du membre, c'est pas comme une corporation où c'est profit avant tout pour les actionnaires. Là, on parle pour l'intérêt du membre. Le membre est propriétaire, je veux dire, c'est son organisation. Donc, l'expérience sensorica, là. Alors, c'est qui dans cette structure-là qui pourrait être le plus apte à faire en sorte que ça se tienne? À ce moment-là, le même principe équivaut. Donc, exemple, si on prend des structures anciennes, on a un président, là, on a un VP, un vice-président ici, là, on tombe avec le secrétaire, on a ensuite le trésorier, et là, on aurait une addition ici qui serait directeur des opérations. À ce moment-là, la même chose arrive. Ça, c'est une structure traditionnelle là, où chaque personne morale doit obtempérer pour pouvoir être qualifiée comme personne. Donc, on est obligé de suivre certaines lois que la société nous a imposées. Mais en tant que membre, on est apte à créer notre propre environnement. C'est la beauté d'une association. Mais il faut respecter ce type-là. Donc, si on se donne le droit de dire, bon, il n'y a que les membres opérationnels qui vont décider le conseil d'administration. On décide à toutes les années, à tous les mois. Ça, c'est l'environnement qu'on l'a créé. Alors, on dit toutes les années pour être traditionnel. À ce moment-là, on peut fermer un système comme ça où on a le même principe qui arrive. Le président a une série d'ouvertures qui est ouverte à lui, un peu comme les outardes. Où le monsieur, ben, ça ne tente pas cette semaine. Lui, ça ne tente pas. Ben là, hop, il y a un appel aux autres. Y a-t-il quelqu'un qui veut être président? Même chose pour le VP. Une personne choisie par le VP, je veux dire, il y a des choses, parce qu'il y a encore la responsabilité du VP à suivre, il y a encore cette ouverture-là où la structure n'est pas, elle roule tout le temps. Il y a toujours il y a toujours une suite à, et moi, je ne peux pas me rendre, mais, alors, il y a toujours un secrétaire, il y a toujours un trésorier, il y a toujours un directeur des opérations, parce que c'est ouvert, l'expérience est ouverte. On se la rend ouverte. Il reste que techniquement et légalement, c'est la personne qui est élue, mais on s'est donné le droit d'avoir une flexibilité dans le rôle à jouer. Donc, on fait des nominés. Donc, on permet l'utilisation d'un X nominé. Donc, on ouvre la structure, on permet une certaine efficacité de tout ça parce que il n'y a jamais problématique où il manque quelqu'un, où il n'y a jamais une décision qui n'est pas prise. Parce que le conseil d'administration, dans ce système-là, a besoin de prendre des décisions opérationnelles constamment. A besoin d'arriver et de dire, à ce moment-là, on passe les différents dossiers selon une grille de priorité. Chacun a besoin d'être évalué. Donc, cette structure-là doit être constamment, et, je veux dire, fonctionnelle. Parce que les décisions opérationnelles en découlent. Bon, quel équipement acheter? Quel projet prioriser? Non, je veux dire, il y a une importance là-dessus, là, mais c'est toujours dans le contexte qu'on s'est donné. Et le contexte qu'on s'est donné, ben, on veut faire partager les équipements aux membres. C'est le contexte qu'on s'est donné, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait une structure décisionnaire. Et c'est de la rendre perméable. Donc, éviter qu'il y ait des classes, ça, un peu la rendre perméable aussi. Il reste que la responsabilité du conseil d'administration est assez importante, vu que toute la structure en dépend, à ce moment-là, il ne faudrait pas qu'il y ait de problématique à ce niveau-là. Donc, d'où l'intérêt de laisser ça en structure ouverte. Et ben, le trésorier, j'ai parlé de la proposition de mettre un trésorier par le conseil des membres financiers. Je trouve que c'est stratégiquement, c'est une bonne position à prendre. Ça offre des garanties à certains membres qui veulent avoir une représentation peut-être à l'extérieur de l'opération. Logiquement aussi, parce que quand on est vraiment opérationnel, des fois on voit peut-être
Et des fois, c'est bien d'avoir un œil un peu de l'extérieur pour dire, à ce moment-là, on va essayer de, en quoi qu'on peut essayer de modérer un petit peu. Donc, ça offre aussi une crédibilité à tous ceux qui veulent contribuer à la structure. Ils voient qu'on s'est donné la chance vraiment d'être considéré de façon crédible. Donc, c'est un peu ça. Comme je disais, il y a plusieurs. L'association permet vraiment de créer des statuts qui sont extrêmement flexibles, peuvent être extrêmement ciblés. Et ça permet aussi d'avoir une crédibilité instantanée qui fait que, pour le financement et tout ça, le financement de projet, ben, c'est sûr qu'une structure qui est plus sous ce format-là, un peu traditionnel, mais qui respecte vraiment cette libre accès de différents rôles et qui permet le partage du labo, le partage des équipements à l'ensemble des membres qui veulent être opérationnels, bien sûr. C'est libre à tout le monde. Il n'y a pas de restriction à. Ça fait que la structure permet de. L'expérience en ce cas permet d'être efficace, respecter l'open source et d'être vu d'un œil crédible de part des structures financières de notre système. Je crois que c'est un juste milieu à ce que vous essayez de faire ici. Je crois que ce modèle-là pourrait répondre rapidement à ce que vous essayez de faire. Et prenez en note que les statuts, l'ensemble que vous, peut être modifiable. Vous pouvez modifier les règlements de votre association par la suite. Et ça, vous pouvez le définir également. Donc, certains mots-clés aussi à rajouter dans les statuts pour vous qualifier en tant que œuvre de charité. Parce qu'il ne faut pas oublier que le mandat de Sensorica se qualifie, selon la loi fédérale, comme une œuvre de charité. Il pourrait bénéficier du financement de fondations publiques. L'avantage de tout ça, c'est qu'une fois que vous êtes qualifié, vu que vous faites la promotion de l'éducation, de la découverte et tout ça, l'avantage de tout ça, c'est quand une fondation publique a l'obligation de donner 50% de ses fonds toutes les années. Donc, elle est obligée de donner de l'argent. Mais elle donne de l'argent seulement à des œuvres correspondant à son statut. Donc, à ce moment-là, vous rentrez dans toute cette disponibilité de fonds par, justement, les statuts que vous vous êtes donnés ou l'organigramme que vous vous êtes imposé. Alors, au final, vous respectez ce que vous vous êtes donné comme mandat de faire. Vos membres sont respectés dans ce qu'ils font. Ils ont accès à toute la structure comme ils veulent, selon ce qu'ils veulent. Et à ce moment-là, l'avantage, c'est que vous bâtissez du matériel. Donc, vous pouvez investir dans des laboratoires équipés. Là, ça vaut la peine parce que c'est toute une structure qui est ouverte. Donc, le bassin de recherche est ouvert à tous et profite à tous. Alors, un gouvernement qui a pour mandat, ou une université qui a pour mandat, justement, d'encourager le développement technologique, voit dans cette structure-là un avantage sur toute autre structure universitaire ou autre. Parce que là, il investit pour, pas juste un projet, il investit pour le nombre de projets qu'on peut fitter d'une année fiscale, là. Et à ce moment-là, ça devient intéressant pour n'importe quel mandataire du développement technologique parce qu'à ce moment-là, l'investissement fait est durable. C'est pas juste on investit dans un labo, la recherche est finie. Là, on se retrouve tout le matériel sur en vente aux enchères, typiquement. On est dans quelque chose de durable ici, le laboratoire. Une fois que le monsieur a fini avec son projet de drone, le laboratoire permet l'incubation de votre projet. Alors, c'est continu. C'est continu. Et non seulement ça libère des projets terminés, mais ça offre la chance d'avoir la formation faite. Des gens qui se forment. Il y a toute une série de choses qui sortent de ça. Donc, une analyse d'une structure comme ça va avoir, selon moi, un accueil favorable partout où cette structure-là va se présenter. Mais il faut qu'elle soit structuré de façon à être reçu
favorablement. Donc, ce modèle-là peut être applicable à SensoryCon. Ça sera de voir ce que les membres en pensent, parce qu'une association, c'est basé sur ce que les membres veulent, d'abord et avant tout. Donc, voilà, c'était un détail de... Qui veut faciliter la période de questions? Ben, faciliter, genre, pour que les gens ne s'attendent pas. Faut pas la faciliter de toute façon. Faut juste suivre les gens qui lèvent la main, puis s'il y en a un qui parle trop. Benoît, tu parles trop, coupe. La question, c'est les projets qui sont lancés présentement, tous ceux qui participent. L'objectif des projets, c'est pas juste de produire des idées open source qui ont été, sont arrivées à maturité, c'est aussi éventuellement de produire ces biens-là, comme les hélicoptères, tout le monde va les produire, etc. Puis, ça va générer des revenus. Ces revenus-là vont être partagés par les gens qui ont contribué au fait que le projet est lève. Cet aspect-là, est-ce que ça fonctionne à l'intérieur d'un système comme celui-là? Est-ce que les argents qui ont été générés par des projets appartiennent à cette série-là ou appartiennent aux gens qui sont... Bien, à ce moment-là, s'il y a besoin de redistribuer les fonds, à ce moment-là, vu que Sensorica s'est donné un mandat de développer ou d'encourager vraiment la recherche technologique, à ce moment-là, ce qui est suggéré, c'est créer peut-être une autre organisation qui est intermédiaire, qui lui va avoir le mandat ou l'exclusivité des projets Sensorica. Et cette entité-là aura un volet un peu plus où il y aura où les membres seront, entre guillemets, dans une vieille structure d'actionnariat, où à ce moment-là, les membres bénéficieront d'une ristourne divisée en actionnaires. On ne peut pas mélanger les deux structures parce que légalement, une OSBL, tu ne peux pas, l'argent et les ressources ne peuvent pas bénéficier du conseil d'administration et tout ça. Donc, à ce moment-là, c'est bien d'avoir une compagnie associée qui aurait le mandat de Sensorica de marchander le produit final avec un pourcentage opérationnel fixe qui serait, une solution à ce problème-là, pour éviter les... Ça manque un peu dans le concept. Cette structure, on appelle Exchange Firm. Mais moi, je voulais faire allusion à une autre chose, puis je vais faire un petit crayon. C'est qu'il y a une très grande assumption. There's an assumption in your presentation. And I just want to surface it. Je veux l'amener à la surface. C'est la croyance que les problèmes difficiles et la gestion et les décisions se font de manière efficace par des entités qui sont hiérarchiques. Alors qu'il y a un nouveau courant qui est en train de démontrer sa force, qui dit que les réseaux horizontaux sont aussi capables, de manière assez efficace, à résoudre des problèmes complexes, à faire de la gestion, à prendre des décisions. Donc, ce que tu proposes une hiérarchie ouverte. Une hiérarchie ouverte, parce que on s'entend tous que si on met un gars ici, ben, il va peut-être abuser de son pouvoir. Mais c'est que tu ne remets pas en question, c'est le traitement de l'information et la prise de décision que tu gardes la forme hiérarchique. Alors, ma philosophie, celle qui m'inspire pour Sensorica, c'est que je suis avec toi à enlever la permanence du rôle. Okay. Mais en même temps, c'est aussi de casser cette structure, puis d'arriver à quelque chose comme ça. OK, mais la solution avec, pour y répondre à la question, si on veut un peu blender
les deux structures, c'est qu'à ce moment-là, si on veut éviter qu'il y ait un abus de pouvoir ou un rôle fixé ou cimenté, en faisant une structure ouverte où on tolère, je veux dire, une association d'individus, bien, oubliez pas que c'est dans l'aspect d'un membre. C'est les membres de Sensorica qui se donnent, qui se trouvent des fonctions pour pouvoir mener à bien les statuts que leur association se sont mis d'accord pour créer. Donc, c'est tous des membres qui ont le même objectif ici. Donc, on ne découle pas par en bas. Là. Un conseil d'administration a différents rôles. Mais un conseil d'administration marche d'une façon démocratique. Là. Donc, c'est un quorum. Alors, on a un quorum de la majorité. L'avantage d'avoir un nombre impair, puis dans ce cas-ci, j'ai proposé 5 personnes ou 5 groupes de personnes si on la met ouverte, parce qu'on est tous des membres qui bénéficient un peu du même logique. Donc, le membre en question a son, je veux dire, a son entourage. Là. Moi, j'ai une affinité avec telle personne, puis on partage à peu près telle vision de ce qu'on veut faire. Donc, à ce moment-là, oui, c'est ouvert, mais dans mes rôles et dans mes relations, j'ai un petit peu de similarité avec ce que je représente moi. Là. Il y a du blending, mais on respecte un peu la personne qu'on a choisie pour être là, est un peu représentée par tout son cercle aussi. Là. Donc, le fait d'avoir un quorum, on n'est plus dans un, ben là, c'est ça, puis flop, c'est qu'à ce moment-là, les décisions où, bon, mais qu'est-ce qu'on met le dimanche entre... je veux dire, 18h puis 4h du matin, là, c'est qui rentre dans le lapo à cette heure-là, puis c'est quel projet qu'on maximise dans ces heures-là, plate pour tout le monde. Ben, à ce moment-là, une évaluation qui se fait. L'évaluation se fait par les 5 qui ont décidé de se pointer là, cette journée-là. Le conseil d'administration peut se décider de se voir tous les jours, une fois par semaine. Peu importe ce qu'ils décident de faire. Ça, c'est libre à la structure que vous vous imposez. L'idée, c'est que là, il y en a 3 qu'il faut qu'ils se décident. Alors, si on était 6 sur le conseil d'administration, là, vous voyez tout de suite l'impasse. Ça, c'est des, j'appelle ça des structures qui sont infertiles parce qu'il peut avoir, je veux dire, un statu quo qui peut perdurer pas mal longtemps s'il y a des décisions importantes qui se font parce qu'on se retrouve avec 3-3, il n'y a pas de quorum. Donc, en étant un nombre impair, on a toujours une décision, soit positive ou négative, mais il y a toujours une décision qui en découle. Et ça, c'est adaptable à tous les changements de situation. C'est pas comme, bon, on a un bokeh au sommet, là. Le bokeh, ben, il est bokeh. Donc là, je veux dire, ça fait un organigramme qui est complètement stérile, là, parce que là, je veux dire, il n'y a rien qui fonctionne. Tandis qu'ici, il y a toujours une dynamique de décision qui part. Il y a toujours un désir d'avoir un quorum. Là, on a un 3 qui a décidé, mais là, la démocratie, c'est ça qui est beau. C'est la dictature de la majorité, mais la minorité a tout le temps voulu pour essayer d'en convaincre un pour le prochain tour de décision. Donc, il y a toujours cette dynamique-là où la décision est constamment évaluée. Il y a toujours un encouragement d'évaluer les décisions. Et c'est pour ça que le 5 a été choisi et on essaye de mixer un peu les deux pour que ça soit efficace aussi. Mais il ne faut pas oublier que la personne X, dans ses relations, va avoir certaines similitudes. Là. C'est rare qu'on va voir quelqu'un avoir son contraire comme adjoint, là, je veux dire, ça peut arriver. C'est pas le pouvoir, donc ces personnes-là, ils sont investis. Ces personnes-là sont investis, ben là, c'est encore les membres opérationnels qui leur donnent le pouvoir qu'ils veulent. En quoi que le conseil d'administration, c'est quoi qu'on l'utilise, à quelle sauce? Bon, on l'utilise à décider ben, quel équipement qu'on achète. À quoi qu'on équipe le laboratoire? Parce que si on laisse chaque membre décider ce qu'il veut ici, c'est le chaos. Alors là, il faut qu'il y ait une décision cohérente selon les statuts qu'on s'est donnés. Qu'est-ce qu'on cherche à faire ici? À ce moment-là, eux autres, ils ont ça en mémoire, puis normalement, tu votes pour des gens qui ont, je veux dire, un sens des responsabilités là, comme dirigeants. On ne va pas là pour parader ou quoi que ce soit. Donc à ce moment-là, bon, qu'est-ce qu'on achète? On a un budget, on a à gérer ça, on a à prendre une décision qui est, je veux dire, assez importante pour avoir un effet sur tous les membres, bon, conseil d'administration. Là, je veux dire, il y a un débat à faire, bon, mais qu'est-ce qui est le mieux? Puis on peut se même donner un motif qu'à toutes les décisions du conseil d'administration, il y a un mailing list qui se fait. Donc, on peut même lancer la décision du conseil d'administration à tous les membres. Ça peut être même fait à ce niveau-là, si vous décidez que c'est ce format-là que vous vous donnez, que chaque décision du conseil d'administration
a à être approuvé rapidement dans un email éclair par les membres. Ça peut être même encore plus interactif. Là, parce que ça, vous décidez vous-même. C'est l'avantage de l'association. Donc, il faut être vraiment créatif dans tout ça. Mais il reste que le conseil d'administration à 5, je trouve ça extrêmement efficace parce que les décisions arrivent toujours, débouchent toujours à une décision rapide. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Bon, les horaires du laboratoire. Ça serait intéressant que c'est le conseil d'administration. Quel projet est priorisé? Ça serait pas pire que c'est pas à tous les membres à décider mon projet est meilleur que le tien. Là. Pour qu'il y ait une vision d'ensemble, c'est là que le conseil d'administration offre cette vision d'ensemble. Mais c'est pas la structure que tu as présentée là. Ça, c'est de la dictature. Un conseil d'administration, là, dans une association, c'est basé sur des principes de démocratie. C'est parce que tu avais nommé président, vice-président. Excuse-moi. Oui, mais ça, c'est les rôles. Je veux dire, dans un conseil, il y a quelqu'un qui va ouvrir un peu comme un maire. C'est le maire qui ouvre l'assemblée des représentants. Le rôle du maire, c'est de dire ben, c'est toi qui as la parole, c'est toi qui l'as pas. Okay. Mais techniquement, il y a un vote lui aussi, puis les autres en ont un aussi. C'est juste qu'il se donne un rôle un peu. Dans une structure, le maire aurait le droit. C'est ça, voilà. Donc, il se fait dire vous. Mais il reste que son vote égale au cinquième vote de la structure. Et veut pas, nous autres, on respecte tous. Quand François rentre dans la pièce, c'est comme notre boss. Parce qu'il a les aptitudes, il a tout ce qu'il faut pour alors, les votes dans le meilleur. Alors, si François se dit, ben là, le conseil d'administration est ouvert. Bon, ceux qui ont l'intérêt de Sensory Cancer, est-ce que vous voulez vous présenter pour le conseil d'administration, une fois par année, ou peu importe ce que vous décidez? À ce moment-là, les gens qui sont dans l'entourage de François vont dire quoi à François? François, vas-y donc, François. On te reconnaît déjà comme responsable. Mais c'est à François de décider de dire, moi, ça me tente-tu d'avoir ces responsabilités-là? Dans ma vie aujourd'hui, là, j'ai-tu d'autres choses? Je veux dire? Par exemple, l'autre fois, il y a eu une petite altercation, puis il y a quelqu'un qui s'est fait dehors. Mais c'est François qui a pris la décision. Bon, ben, à ce moment-là, on se retrouve avec une structure comme ça. Puis en tant qu'on a François, si c'est comme ça, tu me dis. Là, on vient de. Naturellement, il y a cette structure-là qui est clos. Là. Ouais. Tandis que dans le système que je propose, on évite justement que François en arrive avec une structure à la François. On devient une structure démocratique où François, il y a un vote. Mais il y a un vote sur 5. Là, François a convaincu 4 personnes. Non, 2 personnes. C'est vrai. Là, François a convaincu 2 personnes que la décision qu'il prend est valable. Dans l'intérêt des membres. Là, on évite des écarts comme ça. Là, je marque François, ça peut être Philippe, ça peut être n'importe qui. Là. Alors, on évite ce type de structure-là parce que là, à ce moment-là, il y a une représentation où il faut qu'il y ait du bon sens. Là. Ça ne peut pas être juste des réactions émotives. Là, on a un buffer naturel qui est créé. Là. C'est des structures démocratiques. Et ça fait longtemps que c'est en existence. Il faut savoir qu'on est dans une création d'association. On est responsable de l'environnement qu'on crée. C'est notre environnement. Vous voulez voir quoi? Ben, vous l'écrivez. C'est votre création. Et c'est la raison pourquoi vous vous rassemblez en tant que membre. Donc, la structure à la François, là, je veux dire, on ne veut pas ça. Mais je veux dire, c'est un exemple. Là. Je ne connais pas François, donc je ne veux pas dire des choses, mais il reste que ce n'est plus la décision d'une personne. Ça devient un consensus. C'est un consensus qui est respecté par tout le monde parce que chacun a reconnu la qualité d'expertise de la personne qui a été mise là. Donc, on reconnaît tous leur jugement ou leur capacité d'organiser. Alors, à ce moment-là, la décision est toujours respectée ou toujours plus facile à digérer qu'une structure qui dit, ben, c'est ça, c'est ça. Alors, ça permet vraiment une collaboration de membres où le membre est constamment représenté. Où le membre peut avoir la chance d'être représenté parce qu'il a accès aux membres opérationnels. Ou il peut même essayer d'être représenté par le trésorier parce qu'il a accès aux membres financiers. Donc, tu as toujours, t'es toujours poussé à t'impliquer. Il n'y a pas de structure, arbitraire. Là, on encourage les gens à participer au projet, parce que c'est leur projet. C'est leur rigide et puis... Ben voilà, c'est ce que tu veux que ce soit.
got about a dozen questions, so I'm going to start with that. The first one is, since you're on this topic, what happens if someone doesn't obey the rule? Can you, what is your capacity to be able to enforce a particular rule in this association? It depends what's the rule are. What the rule are you putting in that example? So, okay, seeing that way, c'est le conseil d'administration qui va décider qui devient membre opérationnel. Exemple. Parce que c'est les membres opérationnels qui décident où c'est que Sensorica s'en va. Alors, c'est pas grave, c'est un membre régulier qui don't respect the rule. Parce que lui, il n'y a pas de input dans tout ce qui est décision. C'est le membre opérationnel qui est important ici. Parce que c'est le membre opérationnel qui a un accès aux décisions, puis qui est impliqué. Alors, si il y a un membre réfractaire qui ne respecte pas les rules, à ce moment-là, son membership doit être révisé par le conseil d'administration. Puis là, vous pouvez structurer comment ça fonctionne. Pour éviter qu'il y ait des accusations, bon, lui, je l'aime pas, ping-pong, la décision est prise, bien, vous pourriez structurer ça sur un type de plainte. Après trois plaintes, là, ça va au conseil d'administration, puis on parle du dossier Benoît. Ah oui. Là, après trois plaintes, le dossier Benoît, ça arrive au conseil d'administration. J'imagine que ça dépend aussi de la plainte. Bien, à ce moment-là, le common sense, normalement, tu n'élus pas quelqu'un qui n'a pas le sens de la répartie. Tu essaies d'avoir le sens de la répartie dans ton conseil d'administration. Donc, tu essaies de voter pour quelqu'un où tu sais qu'il y a un sens de la répartie, qu'on peut y faire confiance, puis il n'y arrivera pas avec des n'importe quoi. Là. Donc, à ce moment-là, ta problématique demande est vite réglée parce qu'à ce moment-là, on revise le membership de monsieur, et à ce moment-là, on peut lui imposer le fait que soit une amende ou soit trois mois ou qu'il ne peut plus être opérationnel, exemple, tout dépendant de ce que vous décidez. Là. Ouais. Mais identifiez-le déjà au départ, comme ça les membres ont accès à rule and regulations. Ouais, on peut le faire sortir. Si vous décidez de le faire sortir. Ouais, si c'est quelqu'un financier au trésor, des choses comme ça, qui a déjà investi sur le projet. If it's the rule, regardless, it's the rule. J'aurais tendance à parler de la sociocratie dans une approche, moi je la voyais plus comme sociocratique, c'est-à-dire que le conseil d'administration ne décide pas, il applique. Les décisions sont prises toujours par les membres. Tous les règlements, tous les statuts, toutes les décisions majeures sont prises par l'entièreté du membership. Et l'application de ces règlements-là est faite par le conseil d'administration. Tout à fait. Donc, ce n'est plus, on ne leur demande pas, on leur demande d'appliquer le règlement. C'est ça. En sociocratie, par contre, le processus par lequel on arrive à un statut et une décision est très important. Ah oui. Et le c'est que les gens, moi je peux pas prendre le crayon, parce que c'est un concept. En sociocratie, disons que moi, je vais donner l'exemple du village, ça se fait en 3 minutes à peu près. Fait que tu as un village, puis il y a la communauté nord, la communauté sud, la communauté est, la communauté ouest, puis la communauté au centre. Donc, ça, c'est le village au complet. Puis là, il y a du monde qui sont arrivés, il y a des immigrants qui sont arrivés, puis il y avait un cabanon qui était libre, ça. Là, il y a des immigrants qui sont arrivés et qui sont venus s'installer dans le cabanon sans que personne vraiment porte attention. Ça fait comme 2-3 mois qu'ils sont là. Puis tout d'un coup, ben, l'hiver pogne, fait fret. Là, l'immigrant, il est venu cogner à la porte du plus proche voisin qui était là. Il dit, peux-tu me brancher pour cet hiver que ma famille va faire fret? Il faudrait que je puisse me brancher une chaufferette et je passe bien l'hiver. Là, le village, un instant, c'est quoi cette affaire-là? Ben, fait que là, t'as le conseil part. Là, on a un problème parce que là, on regarde un statut règlement, puis il n'y a pas de règlement pour les immigrants qui arrivent dans le cabanon. Ça n'a pas été encore discuté, ce cas-là, il vient de se présenter. Alors, la sociocratie rentre en ligne de compte. À ce moment-là, il y a une forme de hiérarchie à l'intérieur, mais qui est une hiérarchie opérationnelle, dans le sens où tu as il pourrait avoir la même structure, c'est-à-dire président, VP, etc. C'est pas
le nom des individus n'est pas important. C'est l'idée, le titre, c'est qu'il y a des gens qui ont comme mandat, devant un problème, de lancer la question aux gens. Alors, dans chacun des quartiers, il y a une personne qui est un animateur qui est là pour démarrer une conversation sociocratique. À ce moment-là, la question est posée, la problématique est lancée, on a quelqu'un d'un cabanon, ce sont des immigrants, sont illégaux, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Alors là, les gens se mettent à discuter, généralement autour de 8 à 10 personnes, du sujet. Donc là, tu as le groupe qui part, puis ils disent, ces maudits immigrants-là qui n'ont pas demandé la permission à personne, je te colle, je fais ça dans un avion, puis ah ouais, mon chum, brise à voir. C'est correct. L'autre à côté, oh, c'est ça, peut-être du bon monde, peut-être qu'on pourrait leur demander de quelle façon ils pourraient participer dans le village, puis regarder de quelle façon on pourrait les aider, puis peut-être c'est du monde correct, puis il faut leur donner une chance. Excuse-moi Benoît, je vais t'interrompre vite, je veux juste essayer de voir en quoi que ce que tu proposes ici est différent de ce que je propose. J'y arrive. Dans le processus d'emmener la décision. Je veux dire, j'ai une solution encore beaucoup plus simple dans ce que je propose, je veux juste je la proposer, puis tu continueras. Si on a le même système que toi, on a juste à se mettre dans les statuts que quand il y a une nouvelle problématique, ça prend une demande de 5 membres. Comment tu as de créer une casse d'animateurs? Là? Ta casse d'animateurs sont 5. Moi, ça prend 5 membres pour proposer un nouveau projet au conseil d'administration. Puis le conseil d'administration, après 5 signatures, j'y arrive dans ce cas-ci. Il règle le problème de ton cabanon et tes immigrés. Donc, ça vient. Attends. Il y a une petite nuance que tu n'as pas gagné. J'ai pas créé de casse, là. J'ai encore des membres. Je n'ai pas des animateurs. On y arrive, puis le point s'en vient. C'est dans l'intelligence sociale que ça se situe. Ouais. Et l'intelligence de membres aussi, ça a une valeur. Ils sont bien corrects. Je les aime beaucoup. Régler ton problème. Mais j'ai pas de problème. C'est ça non, le problème du cabanon. Le problème du cabanon et des immigrants. Il y a bien réglé. Il n'y a pas de problème parce que les gens qui vont avoir, ils vont discuter entre eux autres du problème. Je tiens à continuer parce qu'il y a une logique importante. Et ces gens-là, entre eux, vont voter qui va aller discuter à la table du niveau supérieur pour pouvoir... Puis la personne qui est élue comme faisant animateur va être accompagnée de la personne qui va avoir été choisie par les autres positivement comme étant la plus apte à discuter de la question et à représenter le point de vue du groupe. Pour cette question spécifique-là, pour laquelle ça prend un set de compétences particuliers. Ça prend combien de temps? Set de compétences. Ça prend combien de temps pour arriver à une décision? Ah, j'adore ta question. Je vais répondre à la question. Prends ton temps. J'adore ta réponse. Mais. Fait qu'ils vont monter à la table supérieure. Il y aura une deuxième discussion qui va se faire, mais ce qui est bien, c'est qu'on va ramasser des points de vue de l'entièreté. Le principe de la sociocratie repose sur le fait que chacun de vos points de vue, ce que vous aimez, c'est qu'il soit considéré, peut-être pas pris, mais pris en considération dans une décision finale. Ah oui. Ce qui fait qu'en bout de ligne, ce système-là permet d'aller senser l'entièreté de l'opinion de tout le monde, d'aller chercher le maximum de l'intelligence sociale. Puis ce qui en est ressorti de ça finalement, c'est qu'il y a une solution qui a été extérieure à ce que chacun des groupes avait discuté, mais qui n'était pas complète. Puis la décision qui a été prise, c'était par exemple, bien, on va aller chercher à l'extérieur des ressources, parce qu'à l'intérieur, on n'a pas des compétences pour gérer le cas. On a été chercher un avocat dans un groupe spécialisé pour les immigrants. Comme ça, on s'est mis conforme, on n'est pas illégal par rapport à la loi. On va garder la personne, puis on va être branché au niveau de l'électricité parce qu'on est quand même humain, puis on va trouver une solution qui est valable. Donc, cette solution-là n'aurait pas nécessairement pu apparaître aussi belle si tous les gens n'avaient pas participé, qui se sentaient interpellés par la question. Bien sûr, donc, c'est ça, là. C'est juste un mécanisme. Mais ils n'ont pas décidé, ces gens-là. Merci Benoît de nous avoir fait un exposé sur la sociocratie. Je t'inviterai à faire une capsule dans un autre jour. J'aimerais bien collaborer aussi.
Mais pour finaliser ce que tu disais, Benoît, mais à ce moment-là, moi, je respecterais son système si le CA aurait comme mandat. Quand le CA, si on pourrait adapter ton système au système associatif, le CA, lors d'une décision où qu'il y a trois ou qu'il y a quorum, proposerait la décision au niveau des membres sous le biais d'un système où on reçoit un email, puis on a à faire apte ou voter ou considérer ce qui a été décidé. Donc aujourd'hui, avec les technologies, on a pu avoir des représentants dans chaque petit village voter et vacciner et médailler. On a accès avec des outils technologiques qui nous permettent une introduction démocratique efficace avec l'ensemble des membres. Conseil d'administration, on est d'accord, on a évalué la demande des 5 membres en question, on vous demande votre opinion. Elle sera considérée dans notre décision. On peut rendre ça aussi démocratique que vous voulez ou aussi proche d'une sociocratie que Benoît vous voudrait. Ça, c'est possible dans ce contexte-là. Ça dépend des statuts que vous vous donnez parce que vous êtes apte de créer votre environnement sous cet aspect-là. Donc, ça peut être un ou l'autre. I want to associate governance and legal structure. Because what he's proposing is a legal structure as opposed to governance structure, because governance structure, you can take whatever you want that you agree upon, but how do you apply that? Because certain legal structures allow you certain governances, and certain legal structures allow you to have certain governance structures, other legal structures don't. Okay, so I think what you're proposing, from what I understand, is a legal structure, not necessarily a governance structure, because a governance structure could be whatever the community decides that. Well, si la communauté veut s'imposer une structure right. gouvernante, c'est à elle à le faire. Ce qui veut dire, c'est que si tu pars d'une forme légale, ça impose une gouvernance. Par exemple, les coops, ça ne peut pas être une monarchie, là, ça ne peut pas être une. C'est imposé par la structure légale. Donc, finalement, on est comme coincé à l'intérieur de la structure légale que tu es parti. Mais la structure légale que j'ai partie, c'est seulement ce que vous avez décidé qu'elle serait. C'est l'avantage d'une association. L'avantage de l'association, c'est qu'elle vous donne le droit de définir vos barèmes. Mais ce que l'avantage, c'est qu'elle vous donne, elle vous crée une personne morale. Et cette personne morale est existante. Elle peut demander des prêts, ouvrir un compte bancaire, elle devient existante selon, et ça permet le maximum de flexibilité et le maximum de crédibilité pour le projet que vous voulez mettre en place. Parce que vous créez quelque chose qui est reconnu, qui n'est pas ésotérique ou exotique. La décision, question, est-ce qu'il y a un problème à ce que un conseil d'administration propose une question au lieu de proposer une solution? Oui, ça peut être ça aussi. Beaucoup plus puissant, et c'est la réponse à la question sur la vitesse à laquelle la décision se prend. Si on compare au coopératif, au mouvement coopératif, c'est beaucoup plus rapide en sociocratie à cause du mode. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai fait un exposé de 2 minutes et demie, vous comprenez que ça s'explique. C'est un atelier de 2 heures que je viens de faire en 3 minutes. Mais c'est. vous allez voir dans l'expérience, dans un atelier sociocratique qu'on pourrait faire ensemble. Que la vitesse de décision, c'est surprenant. Ça dépend le nombre de personnes de mauvaise foi qui sont dans ton système. Non, c'est vrai partout, ça. C'est vrai. Ça dépend de la question. C'est relatif, c'est de quoi qu'on parle. C'est probablement des choses de très important ou c'est important d'impliquer tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. De réponse rapide. Qui reste en voie dépendamment du problème. On peut donner un pouvoir. On peut dire, écoutez, nous autres, on est ici depuis 5 ans, on a vu ce genre de problème déjà, puis on propose ça. Je pense que c'est important que tout le monde donne son avis. Mais ça reste à voir avec le CA. Et voilà, donc c'est des décisions, exactement, c'est des décisions organisationnelles. Ce cadre-là, si c'est arrivé depuis 5 ans, dans ton exemple, ça veut dire qu'il y a probablement déjà un mécanisme. On a probablement plus de problèmes. Je te suggère de faire une présentation en sociocratie. Ça me fera plaisir de collaborer à ça. Oui, c'est quelque chose, mais que l'association peut inclure.
les modalités sociocratiques dans ces statuts. Ça, c'est une possibilité. On est, je veux dire, c'est la beauté d'un système associatif. C'est ce que les membres décident, les membres créent. Excellent. Donc, ça sera de voir qu'est-ce qui est le plus efficace. Journée à journée, là, on veut que le labo soit efficacement utilisé. On veut que les personnes efficaces soient aux bonnes positions. Puis on veut que les projets avancent. Lui est malade, donc qui le remplace? On veut que ça, ça fonctionne. Au lieu d'attendre que les représentants de chaque village... Non, écoute, il y a tout un aspect opérationnel qui a besoin d'une structure décisionnelle efficace. Oui, des questions de fond, où là, il y a des adaptations majeures à faire. Oups, là, on a un gros projet en or, puis là, il faut déplacer certaines cases du laboratoire. À ce moment-là, là, un appel aux membres serait peut-être plus logique, là, parce que là, on atteint, il y a certains membres qui vont être déplacés par cette décision-là. Alors, faire un appel aux membres, puis évaluer vraiment toutes les implications de ça serait, selon moi, quelque chose à faire, ou du moins instaurer les statuts que là, quand que ça affecte les membres, il devrait y avoir un appel aux membres pour aider le conseil d'administration à prendre une décision. Alors, on peut le faire très démocratique ou restreint, ou, ça, c'est libre à vous, là. Mais l'avantage de tout ça, c'est qu'une fois que c'est conçu, vous proposez ça aux membres, mais c'est les membres qui décident, oui, nous voulons nous associer avec cette association-là. Donc, ça vient, les membres votent et ils élisent leur conseil d'administration en fonction de ce que vous leur proposez. Alors, ça fait 5 ans, ça fait quelques années que vous êtes dans ce bain-là. Vous les connaissez, vos grandes lignes. Vous savez ce que vous voulez créer ici. Et les membres vous suivent parce qu'ils respectent ce que vous faites dans la mesure où Mais la structure peut-tu exister sans conseil d'administration, avec une autre structure en place? La problématique de ça, c'est que quand tu crées une personne morale qui est reconnue au niveau légal, elle doit avoir une structure reconnue. C'est l'imposition que le système nous offre pour nous donner ce bonbon-là. Le bonbon, c'est qu'elle nous donne le droit d'exister sous la condition qu'on soit responsable, et la responsabilité nous le déclare comme un conseil d'administration. C'est une imposition de système. Mais il y a moyen dans l'aspect association de créer autour de ce que nous, on nous impose quelque chose qui est similaire à ce que vous suggérez. Et c'est ce que je viens présenter ce soir. Là, l'option de vraiment vous donner un maximum de liberté et de flexibilité dans ce que vous voulez faire, dans quelque chose qui est libre, open source, disponible, accessible pour les membres, tout en ayant une gestion cohérente et des buffers en cas qu'il y ait des problématiques. Ça, c'est à vous à le faire. Tu parlais de personnes morales, puis tu viens de parler. C'est quoi les rôles et les responsabilités de personnes morales? C'est quoi le rôle qu'ils jugent? Par rapport à la droite légale. La personne morale, c'est une personne morale. Donc, elle n'est pas existante en chair et en os. Elle devient personne morale parce qu'elle existe au niveau fictif, moral. Donc, une incorporation, c'est une personne morale. Ça a été créé, il faut savoir que les personnes morales ont été créées quand il y avait certains groupes d'individus dans certains pays qui n'étaient pas autorisés selon la loi à posséder des terres et tout ça. Yeah, I think so. Et là, he doesn't understand the French because he's a master's in business and MBA. I mean, he okay. But he doesn't understand the French term, personne morale. It's a corporation. C'est une personne morale, on veut dire qu'elle n'est pas en chair et en os, mais sur le niveau moral. C'est ça, bien sûr. Mais la personne morale que je propose ici, c'est une personne morale. Personne morale sans but lucratif. It's incorporated. If they ask for it. mais ce que je propose, c'est pas une personne morale, c'est une personne morale sans but lucratif. Donc, il y a un aspect de la loi
qui est demain exigé ici, et c'est le sans but de cette association. Would it only be for non-profit? Can it also be for-profit or for charity? Non-for-profit, sans but lucratif, se donne le droit d'avoir une activité commerciale, mais à les fins des statuts qu'elle s'est donné. Donc, il y a une autorisation dans une personne morale sans but lucratif de quand même faire des fonds, de faire des levées de fonds, de faire des ventes de matériel et tout ça. De recevoir des dons. L'avantage d'une charité, une œuvre de charité, c'est qu'elle permet d'offrir des reçus d'impôts. Ouais. Qui permet aux personnes qui font des dons d'avoir des réductions allant jusqu'à 50% de leurs dons, des choses comme ça. L'avantage d'une œuvre de charité, qui peut être aussi à explorer, c'est qu'elle a accès aux argents des fondations publiques. Parce que des certains cas où les fondations publiques doivent se débarrasser d'un minimum de 50% de leurs fonds à une autre fondation publique, donc, ou une offre de charité. Donc, il y a un désir de se débarrasser d'argent à la fin du mois. Donc, en étant une œuvre de charité, on bénéficie de toutes les fondations publiques qui ont de l'argent à donner pour des projets comme Sensorica. Donc, c'est un avantage d'être une œuvre de charité dans votre la façon que vous avez conçu vos statuts. Donc, ça sera à vous ou aux membres de décider dans quelle option. S'ils veulent se donner le droit de faire des activités commerciales dans leur activité, ou s'ils veulent attendre, je veux dire, la main de l'État, ou ce qu'ils veulent se donner un peu de flexibilité. C'est une décision qui... En fait, c'est une œuvre de charité intellectuelle. Ben, c'est ça. On tombe sur une œuvre de charité à des fins d'éducation. Okay. Recherche, éducation, tout ça, qui est un des qualificatifs pour devenir un œuvre de charité. Donc, c'est une décision que vous avez à évaluer. Moi, je suis sûr que je préfère l'option de sans but lucratif parce que ça offre une certaine activité commerciale. Une œuvre de charité, ça offre beaucoup l'action de recevoir beaucoup de fonds publics, ce qui est intéressant aussi. Is there a limit to number of types of membership you can have? Est-ce que tu as dit il y a trois types, mais est-ce qu'il y a une limite de combien de types? Non, c'est ce que les statuts vont décider. Ce que les membres décident d'avoir. Si les membres veulent 25 types de membership différents, ben, une fois qu'ils ont voté pour l'acceptation la première fois, ben c'est ça. Je propose trois pour avoir la cohérence la plus pour que le système fonctionne, mais si vous voulez vraiment être précis sur les rôles des membres, là, on rentre dans les systématiques, des schémas un peu complexes. I'm trying to shy away from governance. I'm trying to focus on legal aspect for now. Mm-hmm. You're talking earlier about Trezwa. That's not a... Is there a mandatory position that you need to have a president, or you need to have a treasurer, or you need to have etc. etc. Non, mais la loi demande trop. Right? Ça demande trois. Président, trois administrateurs dans ton conseil. Donc, tu connais tout ça. Donc, à ce moment-là, le trésorier, il devient... Moi, j'ai offert le trésorier dans l'optique de membership financier. Où là, il y a un intérêt pour les gens qui mettent des sous d'avoir une organisation responsable. Et le fait d'avoir un trésorier, c'est un organigramme responsable où il y a quelqu'un qui est attitré et responsable de l'application des budgets et tout ça. Ça rend une structure beaucoup plus sérieuse. C'est comme vous décidez, mais selon moi, mon opinion personnelle, on ne peut pas faire ça. Surtout quand on a géré des décisions prises avec l'argent de l'État ou l'argent des autres, ça prend un trésorier. Notre argent, c'est autre chose, mais l'argent des autres, préférablement un trésorier. So, can this entity, let's say, open source is fine, but let's say someone, we all decide we want to do intellectual property and share it. So that a non-profit can hold an IP so that someone else can't block it. So there are advantages to that model as well, to have an IP but release it. So can this association hold on to an IP? C'est ça. Si elle se donne le mandat dans ses statuts, si elle se donne le droit de faire ça, elle le peut. Elle l'a décidé. Moi, ce que j'ai proposé, c'est qu'il y ait une promotion, sensibilisation et valorisation du partage d'informations. Donc, on fait la promotion, on sensibilise, on valorise,
mais on n'impose pas le partage. Comprenez-vous? Alors, c'est un peu ça. Donc, on vous laisse le choix de partager la structure, le labo, membre des membres. Mais si au final, vous dites, ben moi, il y a une partie de mes recherches que je ne veux pas partager, ben, à ce moment-là, moi, je l'ai mis pour dire, ben, à ce moment-là, il y aurait peut-être cette petite partie de gêne-là, là, ou qu'on veut se garder un petit edge. Ben, à ce moment-là, on ne donne pas l'obligation à, mais on promotion, sensibilisation, valorisation. Puis encore une fois, s'il y a un groupe de chercheurs qui monopolise le laboratoire sur de nombre de jours, puis au final, ce qu'ils partagent, c'est des peanuts, ben, à ce moment-là, ils risquent de perdre leur temps de labo, là, parce que le statut de Sensorica, c'est justement de faire la promotion, valorisation, sensibilisation des recherches open source. Donc, oui, je veux dire, on a l'accès, notre projet est assez important pour avoir accès au labo, pour toute la démarche économique, mais on a aussi à respecter un peu le pourquoi que on fait partie de cette démarche-là, qui est un partage open source. Alors, on en donne 100% ou 80% ou 10%, ça dépend du monde, sauf que dans sa décision de partager 10%, bon, là, il prend, on peut sur une base de réputation, ben, il risque qu'il y ait 5 petits membres qui fassent une petite plainte au conseil d'administration, puis whoop, si on fonctionne comme ça, là, écoutez, là, ils monopolisent le labo, puis il n'y a rien qui sort de là. T'sais. À ce moment-là, c'est juste pour tout le monde, et c'est juste pour les besoins que vous êtes visés. On se donne un mandat, mais là, on encourage tous les membres à le respecter. Puis on se donne un buffer pour dire, ben, au final, si c'est pour respecter, ben, à ce moment-là, on se donne des règles pour mettre fin à l'abus, peu importe. Ou un avertissement, puis là, le membre décide d'en donner un peu plus. C'est-à-dire, mais on n'est pas obligé. Parce que si on oblige, là, je veux dire, il n'y a rien qui va. Je veux dire une chose. Parce que je pense que l'idée d'avoir un conseil d'administration était extrêmement importante. Je vais vous donner un exemple, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je travaille dans une compagnie, c'est une compagnie familiale. J'ai 5 boss. Ils sont tous égaux. Il y en a un qui vient me dire quelque chose, il y en a un autre qui vient me dire autre chose, ils ne se parlent pas entre les autres. C'est le bordel. C'est une catastrophe. Donc, je veux dire une chose. Une personne doit faire une tâche pour bien la faire. Ça doit être un professionnel dans cette tâche-là. Un trésorier, c'est un professionnel dans sa tâche. Si quelqu'un d'autre décide, ben, moi, je veux le faire aussi, puis l'autre, il fait depuis quelques années, puis il y a quelqu'un qui vient qui embarque, il va vous ruiner. S'il y a quelqu'un qui n'est pas capable de faire un job de la bonne manière, ça prend des professionnels. Que ce soit dans une position de leadership, ou que ce soit dans une position technique, ou que ce soit peu importe, ça prend un professionnel. C'est très important d'avoir un conseil d'administration qui est doté de personnes qui sont bonnes, qui adorent faire l'administration, qui adorent faire certaines tâches que d'autres personnes ne veulent pas toucher. Donc, pour ça, pour cette raison-là, je pense que c'est une bonne chose de donner cette tâche à des personnes et dire, tiens, toi, t'es bon à ça. Moi, je te regarde puis t'es un bon leader. Fait que j'aimerais ça que toi, tu t'occupes de ça parce que moi, je suis pas bon dedans. Moi, j'ai étudié, ma tête est dans 1000 places en même temps, mais moi, je suis vraiment bon à faire la vidéo puis à faire la promotion puis du marketing. Mais le leadership, ça m'intéresse pas. Je veux pas faire ça. Mais lui, je le respecte. Je trouve qu'il a fait une tellement bonne job. Mais je pense qu'on s'entend tous là-dessus. On s'entend là-dessus. On s'entend tous là-dessus, mais c'est la façon de le faire qui peut être différente aussi. Ça reste au groupe de décider. Mais exactement. Mais comme tu as mentionné, c'est bon qu'il y ait quelqu'un qui est attitré à cette fonction-là, parce qu'à ce moment-là, il met tout son sérieux à ça, à son titre. Quand j'ai proposé une structure ouverte, où je me dis, la personne qui a été élue, bon, toi, on a confiance, on te connaît bien, président, parce que, c'est ça, on te voit bien. Dans les qualifications. À ce moment-là, la structure verte que je propose, c'est qu'il se nomme deux personnes, aide ou aide de camp, quoi que ce soit, pour qu'il ait vraiment un système de continu si le monsieur n'est pas là ou quoi que ce soit. Mais il est responsable de ces deux potes ici, là. Ouais.
il a choisi une personne, un allié dans 100 choses parce qu'il se dit, ben moi, ce membre-là, hein, il partage un peu ma vision. Fait que moi, si je ne peux pas me présenter dans les décisions continuelles que le conseil d'administration a à donner parce que j'ai une vie, tu sais, j'ai d'autres choses, ben là, moi, je me back up pour mes deux alliés, là, que je sais que ces gens-là, c'est des compétents. Puis à ce moment-là, le conseil est toujours représenté. Ils prennent toujours des décisions pour gérer l'ensemble des opérations. Là, le labo, il faut que ça rentre. Là, les représentations des financiers, il faut qu'ils se fassent. Les justifications. Conseil d'administration, ça roule. C'est un choix qu'ils ont pris de se représenter. C'est des responsabilités qu'ils ont pris. Donc, l'idée de l'avoir ouvert, c'est vraiment d'offrir la chance d'avoir des autres membres dans l'entourage de la personne nommée qui permettent une continuité du système pour pas que on soit dépendant de... Monsieur a été élu depuis un an, là, puis il n'est jamais venu. Là. Fait que là, on est bloqué parce qu'on a quatre. On a quatre administrateurs, puis ça a tranché entre les quatre parce qu'ils ne s'entendent pas. Fait que là, on vient d'avoir une structure qui est infertile parce que là, on a un conseil d'administration qui n'est pas capable de prendre des décisions. Donc, il faut avoir une optique d'organisation efficace. I've got about 5 or 6 questions left. Okay, good. So the first one, can you have legal entities within an association as members? As members. Moi, je réserverais ça du côté financier. But if it's, even ben if c'est, it's not, oui, ben, well, je veux dire legally ça. Speaking, can you have it? Moi, je dirais que si tu te donnes en frais d'association, si tu dis que bon, les membres, c'est une personne, et tu t'ouvres le statut, ben là, tu autorises même les corporations à faire partie. Mais moi, je réserverais ça dans le monde financier. Je t'autoriserais, vu que les membres opérationnels, c'est des personnes qui mettent les mains à la pâte, je réserverais, moi, les membres corporatifs ou les personnes morales en tant que membres du système comme membres financiers. Again, I'm trying to dissociate the practice versus the legal structure. I'm trying to understand the legal structure, not the governance structure. I understand what you're proposing from a governance structure as well. Second one, can you give salaries to the members of the associations? So how does the cash flow revenue work? Revenue or salary? Non, mais je vais l'expliquer différemment parce que sans but lucratif marche comme ça. L'administrateur ne peut pas bénéficier il ne peut pas à titre personnel en trouver un profit à titre personnel. Mais de la façon que ça fonctionne, c'est si on a besoin d'une secrétaire pour taper, on a un travail de secrétaire à faire et le prix du marché d'une secrétaire, c'est 28 000 $ par année, exemple. Ça coûte 28 000 $ à l'association pour engager une secrétaire. Mais les opérateurs. Mais l'administrateur X, là, il a besoin d'un emploi, lui. Ou le membre X. Mais tant qu'il est à 28 000 et moins, c'est légal. Parce qu'il se propose de faire ce que l'association a besoin pour 1 $ de moins que le marché. Donc, il n'en retire pas un bénéfice, là. Il fait une soustraction d'un dollar, il fait sauver 1 $ à l'association. Donc, il faut toujours tenir, allez, ça, c'est dans le statut, il faut vraiment le délimiter. En autant que le profit personnel est moindre que si le salaire est considéré, on a besoin du secrétaire, à ce moment-là, on fait une évaluation de marché, comment qu'on paierait sur le marché privé, d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui viendrait travailler pour l'association, 28 000. À ce moment-là, on prend un membre, puis c'est 28 000 moins 1 $. Mais il faut avoir fait une recherche, puis avoir contacté, c'est très facile à faire, on contacte Emploi Canada, puis on dit, bon, mais c'est quoi le mid-range? Ouais, il y a des statistiques qui... Et voilà, donc à ce moment-là, nous, on est autorisé pour faire sauver 1 $ à l'association. On peut alors utiliser un membre, parce qu'on a une économie, c'est une décision économique. Les opérateurs peuvent-tu gagner de l'argent à partir de leur activité à l'intérieur? J'utilise le laboratoire, j'ai un client, je fais un truc, je fais de l'argent. À ce moment-là, ça serait à définir le rôle de ça. On pourrait, comment je pourrais dire, l'idée, c'est si tu as accès au laboratoire, mais à ce moment-là, il faudrait définir les règlements de valeur, si jamais il y a une utilisation personnelle. Légalement parlant,
Légalement parlant, s'il y a une utilisation des biens de l'association à des fins perso, c'est illégal. Okay? C'est pour, donc, on ne peut pas utiliser les biens en commun à des profits à but lucratif ou pour intérêt personnel. Il faut respecter les statuts de l'association. Si l'association s'est donnée comme statut, on fait de la recherche, pour de la recherche, tout ça, mais on reste dans ce cadre-là. Parce qu'on sort de l'OBL. Si on sort du cadre, puis on dit, ben moi, je fais privé, je reçois des gens ici, puis je leur fais la cartomancie avec le labo, peu importe. À ce moment-là, on sort du contexte de l'association, puis on en revient en retirant le profit perso. Ça, c'est illégal. Parce que c'est ce qui nous qualifie comme sans but lucratif, c'est qu'on n'en retire pas un profit personnel des équipements de l'association. Donc, à ce moment-là, faut regarder qu'on ne peut pas en retirer un revenu. Mais si on en retire un revenu, il faut que ça retombe dans le trésor de l'association parce que c'est une activité commerciale qui est reconnue pour l'association. Donc, on fait l'activité commerciale en question. Mais au lieu de se mettre l'argent dans les poches, on la met dans le trésor de l'association. Alors, je vais mettre les membres dans l'OBNL. C'est ça, d'accord. If you create the OBNL outside of the network as a service provider to the network, then the members are just free. But here, if you put the members inside, then they can't use their equipment. Right, and they have to associate themselves with the exchange from that to remember also the exchange from the origin. Mais à ce moment-là, c'est la structure externe qui, à ce moment-là, peut avoir, prélève un pourcentage pour la mise en marché, qui, elle, redistribue, vu qu'elle est commerciale et son activité, c'est la mise en marché de la dite invention, elle est structurée pour ça. Elle a un contrat d'exclusivité avec Sensoricorp, bien sûr, parce que c'est au profit de tous les membres. Et elle, dans son statut corporatif, elle a des actionnaires qui font partie tous les membres qui ont collaboré aux 10 projets, qui est évalué selon un barème. À ce moment-là, sous la forme d'une entité qui est basée sur ça, tous les membres, l'argent est revenu. Et c'est légal. Mais là, elle rentre dans le contexte de l'autre compagnie. Donc, dans les poches de chacune des personnes. Qui ont contribué au sein de la. Parce que si tu mélanges à but lucratif, il y a bien des choses que tu ne peux pas. Je comprends pas comment ça peut se faire, parce que ces gens-là sont membres de. Oui, Mathieu, je veux dire, tes membres ici, ça t'empêche pas de travailler et de gagner un salaire ailleurs. Oui, mais là, tu utilises. Non, tu n'utilises pas. Non, le laboratoire est utilisé pour la recherche seulement. La mise en marché fait partie d'une autre compagnie. Mais c'est les fruits du labo qui l'ont mangé. Là, ça récolte un revenu, là. Parce que c'est une mise en marché. Quand je prends un exemple hypothétique, le mur vert. Mettons qu'on développe le mur vert dans l'équipement. On fait un setup technique. Là. On arrive avec toutes les technologies qui sont sorties. C'est beau. Next step, commercialisation. Là, la commercialisation, elle se fera à l'extérieur. Puis les profits que la commercialisation générait, serait distribué en fonction du travail qui s'est fait dans le laboratoire. Non, mais c'est pas oui, ça. Oui, ça soit, oui. Pour que ça soit cohérent. Là, oui, oui, oui. Parce que ça, c'est viable, ce que je viens de dire. Mais en autant, c'est parce que la problématique, oui, c'est que vous voulez qu'il y ait une rétribution de revenus pour les membres. Vous voulez que ça paye les membres, personnellement. Oui. Puis au sein d'une OSBL, ça devient problématique. Oui. Parce que ça sort du contexte, c'est pas au profit de membres, le membre, mais parce que là, ça devient. C'est plus à but non lucratif, là. C'est à but lucratif, là. Les membres veulent avoir un retour de pièces. Fait que là, ça ne peut pas se faire à l'intérieur d'une OSBL. À ce moment-là, l'OSBL, elle, son but, c'est vraiment d'encourager le développement technologique sous forme d'open source, d'offrir un laboratoire à tous ceux qui veulent ouvrir développer des choses open source. C'est son but à elle. Donc, elle va aller chercher des fonds puis vendre certaines applications, même vendre des finales pour financer le laboratoire et tout ça. Mais pour payer les membres, ça prend une corporation qui est à but lucratif. Okay. Ou une association à but lucratif. Et toi, ton mur vert, tu fais juste de la recherche et développement. Ici, maintenant. Là, tu le mets en open source. Elle dit, ah, ben c'est open source. Fait que je peux le commercialiser. Et voilà, mais là, dans le fond, c'est ça. Elle prend tes plans. Ouais. Elle les prend parce qu'elle peut. Ouais. Dis-moi, je commercialise du open source. Puis là, elle les vend. Sa question, c'est qu'elle, quand elle les vend, elle les va redistribuer à ces gens-là. Qui ont contribué. Sur value equation. Ouais, voilà. Qui, lui, il comptabilise le temps que eux, voilà. Ils travaillent là. Et ça marche-tu légalement, étant ouais, donné oui. Que tu utilises oui. Le temps qui est utilisé là? Là? Ben là, ça, parce c'est... que là, devant le juge, tu ne peux pas dire que ces gens-là, ils ont non, travaillé mais... pas dans leur bénéfice. Non, mais. L'idée, c'est que ces gens-là ont travaillé pour de l'open source.
Devant le juge, tu dis, moi, là, on a travaillé. Ouais, mais ils ont logué leur temps dans le but de recevoir mais à ce moment-là, non, mais à ce moment-là. C'est pas l'intention. À ce moment-là, peu importe le temps qu'ils ont pris, ça, c'est la corporation qui a décidé d'évaluer ça, son retour d'argent. Ce que les membres ont fait, c'est qu'ils ont respecté les statuts de l'OSBL. Les statuts de l'OSBL, c'est de développer du open source. Ils n'ont pas à être accusés d'avoir fait ce que l'OSBL leur a donné le droit. Le vol est encore d'exister, mais il réside ici. C'est ça. Donc, la corporation qui a comme mandat de... Elle, à ce moment-là, c'est son but de faire des profits, puis c'est son but de maximiser ça. Là, le value system rentre en jeu, puis tous les membres légalement reçoivent leur dinero. Dans l'équation du value system, tu peux faire des profits. Tu peux faire de la donation. L'idée, c'est que la compagnie devrait payer un fee à Sensorica pour l'utilisation de l'open source. L'open source à titre commercial. C'est l'utilisation de la licence à titre commercial. Donc, le gagnant. It may not change. Could you share with us what you just said? Yeah, I was saying, like, I'm trying to compare it with cooperative, which is something that we were considering, doing a similar sort of strategy. Okay. And I'm trying to think, I don't think it would change if it's a cooperative or an association. No, but it's two different law. You got the law of corporation and the law of cooperative. That's two different systems. No. What I'm trying to say is, if you apply the same logic, I don't know if the non-for-profit cooperative can go ahead and sell. Besides, I don't even know if you would want to do that. For various different reasons, especially you don't want to get sued. So the idea here is that always an external entity would commercialize the products for you. Mm-hmm. The difference here that I'm trying to find out is can the association accept donations? Because I think the cooperative can accept donations. This one could accept donation as well. Okay. Dans les statuts d'une sans but lucratif, on se donne le mandat de pouvoir demander des dons. Sauf que la différence, c'est que si quelqu'un nous donne des noms, si on est juste au SBL, on ne peut pas lui donner un reçu d'impôt qu'il va recollecter dans son rapport d'impôt. Il faut être un œuvre de charité. Right. So, can that money be now redistributed to the members? Donations? Non. There's no... Les membres n'ont pas... À profit personnel, les membres sont juste là pour collaborer au statut. Les statuts, c'est on va pondre des open source. Alors, ils ne peuvent pas dire, ben là, je vais aller finir arrondir mes fins de mois avec l'activité que j'en fais. Ça se fait à l'extérieur par une organisation complexe. Si maintenant, OK, si c'est du open source, tout le monde est content. Si il y en a qui sont. S'il y a une grande majorité de gens qui ne veulent pas le faire eux-mêmes à la maison, mais qui veulent juste le commander, il faut qu'il y ait du monde qui le fasse. Ben voilà. Si c'est toi qui l'as inventé, ben tu pars avec cette idée-là, puis à côté, tu trouves ton entreprise. Et c'est pour ça qu'elle est importante, celle-là, parce que non seulement elle redistribue sur un value equity system, c'est important parce qu'elle est la face, vraiment l'interface du marché qu'on a besoin. Et elle devient vraiment intéressante au niveau où elle est vraiment la celle qui va avoir les liens commerciaux et tout ça. Nous, on appelle ça Exchange Firm. On l'a déjà dans le corps. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, ça, c'est intéressant pour cet aspect-là. But what are the functions of this non-for-profit association could be lab. Transactional? Operational. Lab. It's basically like redistribution of money on behalf of other corporations. You can do that. Okay, so it becomes almost like a transaction processing system where you're not creating or removing money as it flows through your system, but you can have the money flow through. No, you can do that. You know why? Because these people use each equipment to do something. No, but those people could be in two different associations. Then they're not members of this. So you choose the hat you put on your head. That's exactly. You go right or left. Mais de toute façon, l'idée, c'est l'actionnariat ici, de la corporation. Les actionnaires de la corporation sont les membres. Les membres qui auront un actionnariat ici, tout dépendant de leur value system. L'actionnariat et, je veux dire, les restons sont distribués selon le value system. Ça peut être ça comme ça. The difference here is I see multiple exchange firms, not just one. Yeah, okay. More you have, better it is. Probably, exactly, because you redistribute the legal liability
from getting sued. Okay, and that's sort of the whole whole game of being as legal. Long as the you're legal not. Game is to not get alors, sued. Au lieu d'avoir, make, au lieu d'avoir, and if you get sued, you lose one arm, not lose the entire body. Mais la seule actionnariat ici qui peut se faire, you're going to get sued by the member for not respecting right. what you set but up. But you also to be. Want to get sued by other people outside. But you're not getting sued because you're not putting those dangerous drones out there. See? Right, exactly. Someone else will do it and will take all the charge of having the right. liability insurance in case yeah, that right. drone chopped the head of that little kid. Right, exactly. Mais c'est ça, donc la charge, et c'est pour ça que là, il y a un aspect commercial où ça, c'est comptabilisé, et à ce moment-là, le 5 000 $ par unité, ça tient compte de toutes les buffers légales que tu as à faire pour distribuer ton produit. You would also need that third firm that just acts as a financial transaction processing, because otherwise, every corporation will have to find every member and redistribute money to everyone. It becomes many-to-many relationships, but there's no way of easily facilitating that. Mais c'est très rapide de faire une corporation. C'est un processus qui est assez rapide. Donc, chaque projet qui est incubé jusqu'à sa phase finale, débouche dans une création d'une nouvelle entité, un drone. Puis dans cette création-là, qui est déjà entendue, sous-entendue dans tout ça, Drone Inc. tient compte. Puis Drone Inc. fait le buffer dans son analyse à elle. Puis les investisseurs vont créer ça pour les personnes qui ont collaboré, parce que c'est leur projet pareil. Là. Ils ont partagé l'open source. Mais ils veulent que l'aspect commercial de leur licence soit rentabilisé. Là. Donc à ce moment-là, il y a cet aspect-là qui rentre en jeu. Même chose pour un autre projet. Paf! Alors, c'est pour ça que le value, c'est, je veux dire, la réputation est importante, parce que si on a un groupe de recherche, exemple, le monsieur ici, c'est quoi ton nom? Sergio. Sergio. On a Sergio ici qui nous a conduit les drones, qui a été extrêmement efficace puis enrichissant, qui a amené beaucoup de... qui a moussé vraiment la popularité. Mais si Sergio revient avec un autre projet... Mais déjà, sa réputation est déjà là. Là. Fait que Sergio, on dit, tiens, il a déjà fait sa marque. Là. Alors, dans l'analyse de tous les dossiers, puis il va dire, ben, qui prend le labo, à quelle heure, puis tout ça. Mais on tient compte. Tout ça est tenu compte. Là. Mais il ne faut pas oublier que chaque projet a sa finalité corporative, qui est très facile à créer, et qui tient compte de qui a partagé quoi. À ce moment-là, ça sera de l'établir. Et à ce moment-là, if you don't want to get sued, à ce moment-là, quand il y a des biftons, il faut s'entendre qui a fait quoi avant de s'incorporer. Là. Ça serait le contrat d'incorporation devrait attendez-vous avant. Là. Avant, c'est ça que c'est. Tu sais, je veux dire, parce qu'à ce moment-là, là, si vous rentrez dans des problèmes, j'en ai fait plus que vous dites, mais à ce moment-là, il y a quand même des pichinottes qui peuvent arriver. En tout cas. Yes. Well, we will need more than one entity, because one entity will not be able to satisfy what we want to do. Mm-hmm. And that's the problem. I've looked for that magical entity. A couple of more questions here. First one, I'm assuming that the association can sign contracts. It's a legal. So now you were talking earlier about market wage for members. Is there a minimum wage? So if you're a member, do you have to be paid minimum wage? Or is there a minimum maximum wage at a point? So for example, market value, below market value. Right. Doesn't mean minimum wage. No, because if you work for a corporation, doesn't matter if you're working for 100% equity, you still need to be paid minimum wage. No, but you don't get it the right way. Listen, if you get involved with salaries, you're going to need someone full-time just dealing with that. No, but that's... You don't want this. No, I know, but I'm trying to find out if the legal structure of associations enforces minimum wage laws. No, but anyway, you cannot pay wages for your member on OSBI. Okay. You cannot give them wages, you know, that's if they don't have role that the SEC. Si l'association a besoin de secrétaire, à ce moment-là, là, t'es justifié à aller trouver un membre. T'entends-tu, là, au salaire de 1 $ moins la valeur du marché. Il n'y a pas de salaire du X, là. Puis si la corporation veut payer les membres, là, est aussi bien de leur donner un montant d'argent, puis ça sera au monome X de déclarer ça dans son rapport fiscal. Si elle commence à lui donner un salaire, oublie ça.
là, être obligé à tellement de responsabilités légales d'avoir un employé que ça ne vaut même plus la peine. Tu parles de la resto et pas de salaire. Non, non, tu ne fais pas du salaire. Là, lui, il devient un travailleur autonome. Là. Okay, lui, il est responsable de ses qui affaires. Il reçoit un cachet. Donc, il a le droit jusqu'à 30 000. Un travailleur autonome a le droit jusqu'à 30 000 avant d'avoir TPS TVQ. Ouais. Donc, à ce moment-là, tant que tu lui donnes 30 000 et moins, le travailleur autonome ne peut pas s'inscrire en TPS TVQ. Donc, c'est important de ne pas lui donner 30 000 et plus. Parce que là, on rentre dans des particularités légales. Donc, mais donner de l'argent, c'est son problème à lui. Donc, s'il y a un rapport d'impôt puis il a gagné de l'argent ailleurs, bien, ça, c'est son problème à lui. La corporation n'a pas à éponger toute la structure bureaucratique de gérer des chèques de paye. Puis, regarde, moi, je ne l'ai jamais fait. Puis, mon Dieu. Travailleur autonome gets all the salary from one corporation or one entity. He's not a salary autonome. Yeah. According to the law. Yeah. So you have to make sure they have at least two sources of income. I think it's four. There's more than one source of income required. Yeah. Four customer. Yeah. Because I was in this situation previously at a previous time. Yeah. They had no employees, only freelance. And puis ils ont tapé ses doigts. Ah, tu vois, c'est une particularité que je ne suis pas au courant. Mais en tout cas, ça serait à ce moment-là, ça serait de parer ça avec deux entités qui versent un dollar symbolique. Ben, c'est d'où l'intérêt de partir chacune des compagnies. Je veux dire, ça veut c'est dire aussi con que ça. On passe quatre ou cinq projets par front, puis on s'organise pour que chacun soit enregistré. Il va toujours avoir des projets. Ben, c'est ça. Logiquement, ça serait ça. Mais de toute façon, les projets, je veux dire, le labo, l'avantage de... C'est ça. L'avantage de Sensorica, c'est que, les membres ont accès au labo, selon une grille. Donc, il y a toujours une activité. Là. Comment je pourrais dire? L'avantage de ce système-là, c'est qu'il y a une maximisation des ressources au maximum, parce que le labo est toujours en train de... Mais là, je vais te mêler un peu, là, OK? Qu'est-ce qui se passe si un des membres, là, il se trouve en France? OK. Il est membre, là. Il se trouve en France, ouais. OK. Il est supposé être booké mardi 3h de son projet. Oui. À ce moment-là, on appelle... Lui, il travaille sur Internet, là. Il travaille sur le projet, mais ouais. Il va physiquement ici, il est en France. Oui, mais il travaille sur le projet? Oui. Il est opérationnel sur le projet, il travaille sur le projet. Mais comment est-ce qu'il peut devenir membre d'une affaire canadienne? Enregistrer ça. Ben, je veux dire, en tant que Français ou Canadien, moi j'ai le... Non, Chinois, Allemand, Africain. As-tu mis des dispositions dans tes membership que ça prend un membre canadien vacciné mâle, 32 ans et plus, ou quoi que ce soit? C'est toi qui définis ton membership? Tu peux avoir des membres de la partie du national. Person. Yeah? Person. Ça touche, je veux dire, tu n'as pas de délimité au niveau territorial, puis dire on veut juste des Canadiens blancs. C'est petits, pas comme s'il était embauché dans une compagnie. Là, non, mais c'est pas ça. Là. Lui, il est membre, là. Il n'a pas de salaire, il fait juste partie d'une association sans but lucratif. Puis lui, il peut lui donner l'argent en France. La compagnie privée, non? Oui, il y a un chèque. Le chef, il envoie une chose à son nom personnel. C'est son problème à lui de faire son rapport d'impôt en France. Alors, à ce moment-là, c'est pas le problème de la corporation. Est-ce qu'il n'y a pas de problème qu'il soit membre dans ça, qui est enregistré, l'OSBL, est enregistré légalement au Canada? Là. C'est ça, l'OSBL, il faut qu'elle soit enregistrée au Canada parce que c'est là qu'elle opère. Il n'y a pas de problème à avoir un membre en France. Ah non, ton membership. C'est pas les membres qui sont responsables devant la loi, c'est ton conseil d'administration. Là. Puis dans le conseil d'administration, si c'est la loi canadienne, tu es supposé avoir une minorité de représentants résidents canadiens. Mais la loi québécoise est sympathique parce que elle n'a pas de restriction sur la résidence canadienne. Ça, c'est un secret que je voulais voir. Mais si c'est au Canada, non, trop d'or, trop d'or. Attends, si c'est enregistré au Canada, ça doit être résident canadien. Si c'est enregistré au Canada, sur la loi fédérale, tu dois avoir un représentant de résident canadien sous le conseil d'administration des administrateurs. Okay, devrait être majoritairement canadien. Okay. Dans une situation à trois, tu en as deux qui doivent être résident canadien, la troisième doit être... français. Mais ça, c'est tous les membres peuvent être des Français.
Mais ton conseil d'administration, les représentants légaux qui sont, techniquement, c'est pour avoir des qui qu'on va voir s'ils ne payent pas tes impôts. Qui qu'on va voir cogner à la porte de qui si les impôts sont pas payés. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ça, donc, on va avoir un petit peu de viande là, ici au pays là, si vous ne remplissez pas vos obligations. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça en France aussi. Hein. Ça te prend un conseil d'administration qui est majoritaire. Ou européen. If you're talking about consortium administration, what happens if there's a lawsuit against the association? Who would be legally responsible for any legal charges of fraud or whatever happening in the association? C'est, je veux dire, l'association est une personne morale. Donc, elle est. So it's limited liability, or is it no liability, or is it full liability? Bonne question, ça serait de voir en cas d'une action si le labo ou les équipements, vu que ça appartient aux membres, s'ils ne sont pas par statut insaisissables. Attends, ça appartient aux membres? Ben, vu que c'est une assemblée de membres, chaque membre a certaines. Je veux dire, ça serait de voir. Ça appartient pas à l'OSBL? Ben, ça appartient à la personne morale. La personne morale est constituée d'un ensemble de membres. Tu comprends? Alors, à ce moment-là, si la personne veut saisir les biens de l'association, dans le cas d'une lawsuit. Mais légalement parlant, c'est qui la fiducie, là, qui est la custodienne? Ben, légalement parlant, c'est ça, là. C'est les trois représentants. De l'immeuble? C'est les trois représentants votés par les membres. Donc, ça change. Okay. Donc, à chaque année, tu as des représentants différents. C'est l'organisation qui est le propriétaire légal des machines. C'est la raison sociale. C'est la raison sociale. Donc, à ce moment-là, c'est Sensorica qui est propriétaire du lab. Sensorica, c'est elle est dépendante de ses membres. Donc, ses membres choisissent. En fait, je pense que la question est, mettons que le prix est différent. Tout le monde pense qu'il est vraiment fin, mais il n'est pas fin. Fait quelque chose de vraiment méchant. Donc, on se fait poursuivre à cause de ça. Puis on est en train de perdre beaucoup. Quelqu'un qui va venir récupérer les équipements. Ben lui, à ce moment-là, c'est parce qu'à ce moment-là, si tu prouves que, dans le cas de l'exemple que tu donnes, que c'est M. X qui a fait une négligence criminelle, à ce moment-là, tu peux dire que c'est M. X. Déjà, tu as une protection si c'est une négligence criminelle, parce qu'il y a des statuts très bien établis qui font une protection légale. Donc, à ce moment-là, il y a un buffer où tu te dis, ben, à ce moment-là, c'est l'incompétence de M. X. Qui a mis la chose, ben, à ce moment-là, c'est lui qui fait face. Donc, il faut savoir que la responsabilité d'un président et d'un conseil d'administration, il y a une implication aussi légale. Donc, le membre, lui, est un peu détaché de tout ça. La personne qui dit, ben moi, je veux m'impliquer dans le conseil d'administration, je me présente, ben, il faut savoir qu'il y a une responsabilité d'attaché. Il y a un certain respect à avoir là-dessus parce que ça apporte une certaine un bagage de responsabilité. Yes. You have to declare if you're a conseil administration to some entity, or is it can the members just choose and you can have it more dynamic, or is it fixed or fixed term, or ben, tu as un mandat dans le temps du conseil d'administration, ça peut changer chaque semaine, ben, ça dépend si toi tu veux ton conseil d'administration, tu veux-tu à toi et moi, à toi semaine ou tout ça. Puis qu'est-ce que tu as besoin? La composition du conseil d'administration, la composition. Ça, il faut que tu changes les statuts. Ça serait bien de l'indiquer. Bon, la composition, c'est 5 personnes, exemple, 5 administrateurs. Puis on change chaque. Il y a possibilité de le laisser ouvert, de ne pas déclarer une valeur d'administrateur, de rien déclarer, ce qui permet de changer ça, là, avec un vote de la majorité des membres. Alors, à ce moment-là, il y a possibilité de rester ouvert. Ou il y a possibilité d'être sécurisé puis de dire, ben, ça prend toujours un nombre impair, exemple. Pour être sûr de ne pas arriver dans un statut d'infertilité. On reste toujours dans un nombre impair. Donc, ça, c'est des modalités qu'on peut créer. Tout est flexible et tout est modifiable en autant que les membres se mettent d'accord. Parce que c'est une association de membres. Donc, si le membre n'est pas d'accord, ben, il y a juste à s'en aller, dans le fond. On respecte la majorité. Alors, le membre est toujours d'accord des modifications. Ça fait de cette structure-là une structure vraiment démocratique. Ça se peut-tu que si c'est pair, on peut aussi faire en sorte que le président n'ait pas le droit de vote? À ce moment-là, ça devient pair. Si jamais ça serait pair. Tu peux faire ce que tu veux, mon cher. Tu peux. J'ai déjà vu ça quelque part. Tu peux mettre des administrateurs droit de vote ou pas. Je veux dire, là, mais ça, c'est des complications. Okay. On peut être compliqué ou on peut faire simple. OK.
the association was for profit, then you could potentially sell and redistribute the revenue, etc., etc. That's right. En fait, si c'est pour profit, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est une opération où que ta valeur, ça doit distribuer les profits. De, là, c'est plus des membres, ça devient les actionnaires de. Mais à ce moment-là, c'est ça. À ce moment-là, tu ne peux plus être une charity, puis tu ne peux pas bénéficier de ça. Donc, c'est mieux de le faire à deux volets. L'aspect commercial et l'aspect. So that's what I was talking to you earlier about. We have the legal strategy and legal tools. We have a legal strategy, but there is no legal tool that fits all the strategy. So you have to play around with the legal tools to see if it works. Mais ça, je veux dire, il y a pas ça. Tout le monde fait ça. Tout le monde a cet aspect-là. Ça dépend ce que vous voulez faire. Mais en même temps que ce que vous faites sous l'aspect de l'OSBL respecte les statuts que vous êtes dans. Si c'est pour faire du développement de technologie open source, ben c'est ce qu'elle fait, puis elle va être financée pour le faire. Si par la suite, les gens qui ont contribué à l'open source décident de s'incorporer puis d'essayer d'avoir une mise en marché, ça, c'est leur décision à eux. L'open source est déjà donné. Le volet de l'OSBL est respecté. Alors, il n'y a pas de profit perso, là, parce que l'open source, c'est le mandat de Sensorica. C'est le pont de l'open source. Alors, à ce moment-là, le volet ou l'argent de l'État qui est épongé par Sensorica est respecté dans son intégralité. Parce qu'ils ont lu les statuts sont respectés de A à Z. Il y a juste que on s'est mis un système où chaque individu est évalué pour sa collaboration au niveau pécunier, mais ça, ça se fait par des structures qui ont le droit de le faire. Dans ce cas-ci, c'est des corporations. Sorry, last one. Yeah. We made it. In your experience, you've had non-for-profits, right? You're in an association. What's easy to maintain from a sort of a paperwork time that you have to spend in terms of doing all the administration stuff? What is the most efficient organization? L'OSBL, par son statut de sans but lucratif et le fait qu'il y ait 3 personnes morales au conseil d'administration, c'est problématique parce qu'il y a beaucoup plus de suivi, de rencontres, right. De décisions. Donc, c'est vraiment la secrétaire va faire des assemblées. Ce qu'une corporation peut avoir seulement un individu responsable et gérer ça beaucoup plus efficacement. Donc, but my question, I guess, is more, let's say, between association and a corporate. Which one would be more efficient from... C'est parce que la coopérative ne peut pas devenir charité, là, par son définition. Parce qu'une OSBL peut devenir une œuvre de charité. La coopérative fait partie d'une loi spéciale qui a été créée, c'est une loi sur les coopératives qui lui donne des droits et des devoirs. Il y a des avantages d'être une coopérative, mais c'est un autre système. Alors, quand on veut bénéficier d'un système de recherche, à ce moment-là, l'OSBL permet une activité commerciale avec, en autant que ça respecte. Donc, on peut vendre ce qu'on veut et en faire un profit en autant que c'est redistribué dans le labo, en autant que ça jette des locaux, en longtemps que ça ajoute du matériel. De l'argent dans la mission. Exactement. En fait, de l'argent, mais ça doit être investi. Réinvesti dans la mission. Ou payer pour les salaires des gens qui vont s'occuper de ça. Ça prend une secrétaire. Ça prend X, Y, Z. Ça prend, je veux dire, il faut qu'il il y a des salaires qui doivent être payés. Là. C'est plus du bénévolat. Là. Vous avez le droit d'employer du monde. Là. Je veux dire, ça, c'est légal. Là. À ce moment-là, si toi, tu te crées un poste fictif pour avoir un salaire fictif, à ce moment-là, tu commets une fraude envers l'OSBL. Mais le salaire est autorisé en autant que ce soit 1$ de moins que la valeur de marché. À ce moment-là, tu fais sauver 1$ à l'association. À ce moment-là, tu as le droit d'avoir un salaire. C'est une particularité. Et ça permet les salaires. Mais au niveau de des coûts en gestion de temps pour... tout simplement maintenir en fonction une OSBL ou une coopérative. Ben on parle de gérer la patente, on parle de la gérer face au gouvernement. Combien de patentes le gouvernement te demande? Combien de frais te demande? Ben, pour l'OSBL, tu dois émettre un. Je veux dire, il faut que tu fasses une déclaration annuelle.
où tu es la barre. Si tu fais plus que temps, tu dois donner plus de détails. Si tu fais moins de temps, c'est vraiment informel. Tel membre, quelle a telle adresse. Ouais, ouais. Donc, tout dépendant du volume que tu fais, mais le sans but lucratif ou la charité, c'est vraiment très peu de déclarations. Tandis qu'une corporation doit justifier. Mais si tu payes des salaires, ça devient un peu plus lourd parce que toi, tu gères. Ouais, mais c'est des salaires, mais tous les salaires sont régis par tu dois faire des prélèvements de l'assurance chômage puis tout ça. Une fois que tu donnes des salaires, là, tu tombes dans de la paperasse automatiquement. Ouais. L'avantage, c'est que tu peux te salarier s'il y a de l'ouvrage qui justifie un salaire. Donc, mais ça vient avec la problématique qu'on a gérée, toute la paperasse qui vient avec. C'est pour ça que les employés autonomes, c'est surtout, je veux dire, travailleurs autonomes, je trouve que c'est une option pour moi, petite entreprise, géniale, parce qu'à ce moment-là, ça nous permet d'éviter vraiment des charges bureaucratiques heavy, là, surtout pour des petites entreprises. Donc, c'est un peu ça. La corporation a des responsabilités fiscales, donc elle doit payer un pourcentage de ses profits. Ce que l'OSBL n'a pas à payer. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu que l'OSBL. Donc, le gouvernement est moins acharné sur une OSBL qu'il est sur une corporation. Donc, une corporation, on veut savoir qu'est-ce qui se passe quand et où. Parce qu'une OSBL, c'est dans leur statut. Donc, on préconise le fait qu'on est innocent until proven guilty. Fait qu'on te laisse quand même une flexibilité de déclaration, ce que une corporation n'a pas. Parce qu'on présume d'une corporation par son statut de faire des profits à tout prix, qu'ils ont dans leur statut l'idée de frauder le gouvernement. Donc, anyhow. The for-profit association, that only has responsibility to its members, right? It doesn't have responsibility to its shareholders. There are no shareholders. That's right. There's members, not shareholders. So the members are the key to all of this. And you can set difference between members. Right. Et c'est l'avantage parce que à ce moment-là, tu peux dire, ben, ceux qui, un peu comme le value system, ceux qui s'impliquent, ben, ils peuvent avoir vraiment un aperçu de l'organisation et se permettre de voter le conseil d'administration. La seule différence entre le modèle que tu proposes et les modèles que je préconise, c'est d'avoir un réseau international. Ça s'appelle Sensorica, avec une entité ici qui serait ONBL. Ça s'appelle aussi comme ça, hein? Organisme sans but lucratif. Organisation. OBNL. Ça s'appelle aussi OBNL. Maintenant, je pense que c'est OBNL, non? Organisation à but lucratif. À but non lucratif. Oui, c'est ça. Bon. Alors, la manière que je la vois, donc ce système-là, ce nuage-là, écrit des règles de fonctionnement que cette organisation-là, qui détient les moyens de production, okay, applique. Tout ce qu'elle fait, c'est appliquer. Puis là, ensuite, il y a ici les corporations qui, eux, ils vont faire de l'argent, ils vont distribuer. Mm-hmm. Puis ça s'appelle point d'interrogation. Donc, cette structure-là, ça fait partie de ton truc. La seule grande différence, OK, c'est que eux, dans leur mandat, c'est de gérer les biens matériels pour le bien de ces gens-là et de respecter cette charte que ces gens-là se donnent. C'est la seule différence. Alors, dans ma vision, je ne les englobe pas dans ça. Ils ne deviennent pas membres de ça. Ils restent des personnes physiques dans une type d'association assez libre qui est quand même gérée par la loi. Parce que si on travaille ensemble pendant un certain temps sous un même toit, on est dans le fait conjoint associé. c'est exactement la même loi. Non, mais c'est exactement la même loi qui s'applique. C'est le même principe dans la loi. Si on travaille sur le même toit ensemble, puis on fait un bénéfice, puis on partage ça de manière informelle, puis là, à un moment donné, on se chicane, on va chez le juge, il va dire, ben, vous étiez associé dans les faits, vous devez partager ça si vous n'avez pas un contrat initial.
T'es con quoi je... Donc finalement, t'es légal à faire ça. Mais ça, pourquoi est-ce que tu... C'est quoi le problème dans ça? Pourquoi est-ce que tu mets... Parce que tout ce que tu fais là, t'absorbes ça là-dedans. Oui, dans des fins de... Parce qu'on est mappé ici, là, tu sais, ton drone, il est là, c'est une corporation qui échange avec le marché une valeur qui a été produite par ici, OK? Mais là, t'englobes les membres dans ça, puis ça et ça, ça se ressemble, parce que légalement parlant, ça, c'est le propriétaire de ça. Mais il peut le gérer qu'en respectant ses règles. Il ne peut pas faire n'importe quoi avec, là. Puis lui, quand il est constitué, il dit « Je m'engage à respecter ce document. » That's it, that's all. Ce document-là, il vient d'où? On s'en colle. Mais finalement, c'est la société qui le produit. C'est l'association libre. Bon sens. C'est ça, qui le produit. Donc lui, c'est un prestataire de service à la communauté. À un moment donné, la communauté peut dire... En tout cas, je m'arrête là, mais c'est quoi le problème avec ça? Pourquoi est-ce que tu dois englober les membres à l'intérieur de l'OBNL? Où est-ce que... Moi, c'est surtout le point faible de tout ça, c'est qu'au final, là, if you're not a member, how do you make decisions? Au final, là, c'est ça. Au final, là, t'as à gérer quel projet est dans le labo lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Quel membre? Qui a accès au labo dans ces heures affiliées-là? Ensuite, quel projet on pousse dans la corporation ou dans nos partenariats qu'on aura créés pour mettre ces incubateurs dans les marchés? Donc, toutes ces décisions-là ont été à prendre dans le respect de tous les membres, de la justice sociale et tout ça, continuellement, chaque jour et tout ça. Donc, au niveau opérationnel, dans la gestion des fonds offerts et dans la présentation légale de tout, l'OSBL et le conseil d'administration, je trouve que dans ce format-là, il y a toujours un aspect démocratique. Avec l'aide d'Internet aussi, on peut vraiment l'expandre ou qu'il y a une façon de résoudre les problématiques continuellement de façon efficace. Donc, c'est structuré pour permettre un ordre établi, juste et équitable pour tous, où tout le monde peut collaborer, se sentir partie de la structure, sans que le chaos règne, que je veux dire, il y a certaines problématiques de personnalité. C'est à là que je ne suis pas convaincu, parce que ça ne veut pas dire que la démarche ne peut pas être structurée selon le système de réputation, selon le système... Oui, il peut être structuré, sauf que mon système, ton système... Mon système offre une organisation plus efficace, plus rapide. Non, mais c'est là où tu me perds, parce que je ne crois pas nécessairement que ça soit plus efficace. C'est là que tu me perds. Parce que là, ce que tu supposes que... Ce qui décide lundi, mardi, mercredi, jeudi dans ton système à toi, là, qui peut décider, je peux exactement t'expliquer comment ça se passe. Qui décide ça là, lundi, mardi, qui rentre dans le labo? C'est exactement comme on le fait ici. On arrive dans le labo, puis on se dit... Qui arrive dans le labo? C'est ça, c'est une décision pour tout le monde. On le vit depuis 3 ans, là, c'est ça que je t'en veux dire. Donc, tu as des gens qui sont là, puis à un moment donné, il y en a un qui dit « Hey, je pense que ce projet-là est important. » Moi, je te raconte l'histoire, OK? Puis, il y a Antonio qui va dire « Là, tu sais quoi, les gars, est-ce que vous acceptez que je devienne le facilitateur de ce projet-là? » Tout le monde dit « Ben, OK, oui, on en avait besoin. » Puis là, il vient le matin, puis il fait des listes sur le tableau, il fait des meetings, puis il dit « Demain, on fait ça, demain, on fait ça, demain, on fait ça. » Puis tout le monde adhère. Puis c'est une décision qui va d'en bas, OK? La décision, elle va comme ça. Puis à un moment donné, il y a un consensus qui émerge, puis la décision est prise. Je veux dire, c'est... Puis là, tu peux formaliser ça avec des outils Internet et tout ça, avec des forums. C'est extrêmement rapide, je veux dire. Qu'est-ce qui arrive s'il y a des gens qui disent « Ben moi, ce projet-là, je ne comprends pas. » Ah, mais là, ça va. C'est... Et là, le projet, il tombe, il se fait pas. Non, il l'attend, il roule plus lentement. Il n'est pas dedans. Il roule plus lentement, puis ces gens-là, ils se disent « Mon Dieu, mais on a un problème de marketing. » Alors. Soit il y a trop de projets, puis la capacité actuelle elle est tirée. Puis là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Mais on s'en va recruter. Alors, on se dit, moi, je pense que pour avancer ce projet-là, puis avoir du momentum, ça en prend au moins 15.
Puis ces gens-là sont tous un peu éparpillés dans différents projets. On ne peut pas toutes les polariser. Alors, je m'en vais sur Facebook, puis j'attire du monde à travailler sur ce projet-là. Il y a toujours des manières de répondre à ces questions-là. Oui, c'est pour ça que ça a fonctionné 3 ans. Il a fallu que ça fonctionne d'une certaine façon pour avancer dans les projets que tu as fait. Donc, ton système fonctionne, j'en doute pas. Là. Oui. Je veux dire, comment que ça pourrait fonctionner dans une autre perspective d'une façon beaucoup plus efficace? Mais c'est là que je te parle, parce que quand tu dis plus efficace, moi je dis c'est sûr qu'il est plus efficace. Ok, mais moi je suis un investisseur. Moi je suis un investisseur, puis je me dis ok, moi si je te donne 1 million. Non, non, attends, là on va dans une autre chose. Sérieux, tu parles de réalisation? Parce que là, il parle de cash. Oui, oui, c'est ça. Là, ça va dans une autre chose. Parce que j'essaie de voir. Mais là, c'est une conversation. C'est sûr, moi je suis habitué dans une structure X où les problèmes sont réglés selon une chose, et là, toi tu amènes quelque chose qui fonctionne, mais qui est un peu laissé libre. Bon, qu'est-ce qui arrive s'il y a, je veux dire, 3-4 membres qui disent non? Comme tu l'as dit toi-même, le projet avance moins vite. C'est ça. Alors, à ce moment-là, si le projet avance moins vite... jusqu'à temps qu'on se met à faire du marketing puis à remplir ses besoins en ressources humaines. OK. Oui, il y a toujours moyen de... À ce moment-là... Ce qu'il faut voir, c'est que Sensorica, là, c'est pas une entité qui est amurée. OK? Ça veut dire qu'il ne faut pas voir Sensorica comme une compagnie avec un nombre limité de membres qui pourraient travailler sur des projets, puis c'est ça les membres, puis étant donné qu'on en a 10, puis qu'on veut mettre des ressources humaines sur un projet, mais on va être obligé d'en obliger une coupe pour se mettre là. Il faut voir Sensorica comme une entité qui est très perméable, puis si on n'a pas les ressources aujourd'hui pour un projet, mais guess what? Je m'en vais sur Facebook, puis je vais faire rentrer du monde. Donc, c'est un système qui est complètement extensible. Okay. Et ça pourrait être un argument très fort pour un investisseur. Parce que je lui dis, écoute mon gars, si le projet n'avance pas, okay, étant donné qu'on est dans une logique de value accounting et qu'on est extensible, okay, on peut toujours aller chercher des ressources humaines. La planète, c'est notre bassin, c'est notre terrain de jeu. À ce moment-là, dans un cas comme le tien... C'est juste une question de faire confiance à ça ou pas. Ouais, ça s'arrête là. Et si je ne peux pas rentrer ça dans la tête de l'investisseur, mais c'est peut-être pas le bon. Mais ça ne veut pas dire qu'en réalité, ce système-là ne peut pas être plus efficace. Et quand tu dis que c'est moins efficace, c'est là où tu me perds. Parce que tu n'as pas fait la preuve. J'ai une question. Ouais. Ça fonctionne très bien. Mais mettons que ça commence à grandir. D'un coup, tu as 150 personnes qui travaillent dans un labo. Oui. Comment tu fais pour prendre des décisions? Parce que tu peux pas dire « Hey, tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? » C'est très simple. Ça dépend de la décision. Les décisions, ils ont une portée. Est-ce que c'est une décision sur un projet? Est-ce que c'est une décision qui prend en considération le réseau entier? Est-ce qu'on va déménager ou pas? Est-ce qu'on va changer le logo ou pas? Donc, ça dépend de la portée de la décision. Et ça dépend aussi de quel type de décision. Et selon ça, tu prends le mécanisme de prise de décision qui est le meilleur. Ça peut être « lazy democracy », qui veut dire « voilà, on a une décision à prendre, si tu t'en fous, tu votes pas. » Si vraiment tu veux voter, tu votes. Ou tu peux prendre du liquid democracy, qui veut dire, moi, je connais pas cette problématique-là, mais lui, il est spécialiste dans ça, je lui délègue mon vote. Puis lui, il dit, moi, c'est pas vrai, je suis pas très à l'aise. Puis là, il donne le vote à lui. Puis liquid democracy, c'est du voting par proxy. Okay? Ouais. Mais ça se passe de manière très dynamique. Là. C'est à la vitesse de l'email, ce truc-là. Ouais. Tu comprends? Donc, je ne vois pas un problème, même que je dirais que ces systèmes-là, ils se stabilisent à une certaine masse critique. Après une certaine masse critique. C'est ce qu'on appelle finalement les projets swarm. OK? Que tu vois en open source, là, tu sais. Un projet open source, ça ne peut pas fonctionner à 10. Un projet open source, ça fonctionne à quelques milliers. Parce que tu as l'autre dynamique qui embarque par-dessus. T'as la redondance qui est là, t'as ces mécanismes de prise de décision qui peuvent être mis à contribution. Mais si t'as deux groupes qui se luttent pour avoir accès au labo... Ça s'appelle un fork. Avoir accès au labo? Non, je veux dire, quand t'as deux groupes qui se forment... Ah, les priorités. Même chose. C'est la même chose, priorité. Tu fais une décision, puis tu utilises lazy democracy, si c'est vraiment important, tu utilises liquid democracy. Tu as la vitesse de l'email, tu dis, oh là, ce problème-là... C'est encore
ça fait face au nombre de gens, moi, dans mon projet, même s'il est moins important au niveau de l'aspect économique, mais il est populaire. Donc, il y a plusieurs gens qui sont intéressés. Ouais, ouais. Là, hein, c'est plus la priorité, c'est ce qui est populaire qui vient. L'hyper-démocratie, c'est pas une démocratie. C'est, tu vois, c'est les personnes qui votent, là, c'est pas tout le monde qui vote. Qui décide qui vote et qui vote pas? Moi, je délègue mon vote à lui, lui, il peut te déléguer à toi, toi, tu peux te déléguer finalement, et il peut y avoir trois personnes qui votent. Alors, tu vas chercher tes appuis. Non, c'est que moi, je délègue mon vote, lui, il délègue son vote, lui, il délègue son vote. Fait que tu as un paquet de gens qui tous délèguent leur vote. À un moment donné, tu peux avoir 10 qui vont voter, ou 3, ou à un moment donné, il peut y avoir juste un qui va décider. Tu comprends? Mm-hmm. C'est un truc de trust. Oui, c'est ça, exactement. C'est un truc de trust. Moi, j'ai fait confiance parce que c'est le genre de truc. C'est ça, mais c'est ce qui arrive au final, c'est ce qui est final d'arriver. Donc ça, j'imagine qu'au final, ça repose toujours sur la même personne qui a le plus de votes à faire les décisions. Donc, les gens qui sont participatifs, j'imagine que c'est toujours les mêmes. Mais en fin de compte, si le groupe fait confiance à cette personne-là, c'est très dynamique parce que je peux décider de t'enlever. Par exemple, je décide que toute petite décision électronique, là, je donne le vote à lui. Un jour, je me rends compte qu'il n'a pas bien voté. Alors, je lui enlève. Je le donne à un autre. C'est très dynamique. Là. Je ne le choisis pas pour 4 ans, là, pour mon représentant. C'est ça qui est le fun, c'est que tu choisis toujours le spécialiste du moment de la décision. Ouais. C'est génial. Pour chaque décision, tu as toujours le spécialiste. Ouais. Ça commence à ressembler à une logique. Donc, ce n'est pas une tyrannie de la démocratie, quand même, tu vois, parce que ça va sous les liens de confiance, puis ça se concentre dans les gens qui sont spécialistes là-dedans. Ouais. Donc, à ce moment-là, si toi, tu as à découler ou à t'absenter, tu donnes tes votes à quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Ou si je compare absolument rien de l'affaire. C'est toujours présent, mais tu as délégué ton vote. C'est ça. Je parle de jamais. Et à un point de vue légal, au point de vue représentation légale, tu réunirais ça sur quel format? Créer une personne. C'est le processus de prise de décision. Donc, comme personne légale qui serait apte à signer, à ouvrir des comptes bancaires et tout ça. Ah, ben c'est ça, c'est l'ONBS. C'est l'OSBL. L'OSBL a besoin de trois représentants dans le conseil. C'est ça, ça peut être trois avocats. Donc, c'est sur main des avocats? Ben, ça peut être trois personnes. Ça peut être XYZ. Leur mandat, c'est de servir la communauté et le contrat peut être vendu. Ils vont faire leur job et vont remplacer par quelqu'un d'autre. Quelque chose qui n'a pas d'impact. Un conseil d'administration qui n'a pas d'impact décisionnel. Ils sont juste là pour répondre aux normes. Juste pour exécuter et faire. Juste pour répondre à ce qui est demandé légalement d'avoir trois représentants fiscaux. C'est ça. Le reste s'autogère. Le reste est géré par des mécanismes qui sont très bien définis, qui fonctionnent déjà dans les communautés open source, qui leur donnent leur structure, qui leur donnent leur efficacité, qui leur donnent leur pouvoir de prise de décision. Tout ça, c'est déjà implémenté, on ne l'invente pas maintenant. C'est là fonctionne. Mon intérêt, ce n'est pas l'efficacité de ces choses-là qui ont déjà fait leur preuve. C'est de leur donner une incarnation légale pour que vous ne prenez pas de problème. À ce moment-là, c'est, je veux dire. C'est à peu près la même structure, là, tu comprends, mais c'est membre. Sauf que ton conseil d'administration n'est pas existant. Les décisions prises se font par le biais d'un vote, un vote fluide. C'est ça. Mais les décisions se font à partir. Ben là, à ce moment-là, il y a toujours l'aspect de toujours envoyer les décisions aux membres. Ou peu importe les personnes impliquées. Parce que qui est impliqué? Il doit avoir un qualificatif. N'importe qui peut rentrer ici et utiliser le labo? Non. Donc, comment on. C'est que l'ONPM, qui est vraiment le propriétaire de ces choses-là, elle peut dire, tant et aussi longtemps qu'elle fait affaire avec la communauté, elle applique des règles. Ça veut dire si. L'utilisation de ça demande un certain niveau de compétence. C'est écrit sur la charte, ça a été voté par tous les membres. Ouais. Puis elle va dire. Il faut être membre pour voter. Comment? C'est faut être membre pour voter pour la charte. Il y a un aspect membre. Il y a un aspect citoyen de ce nuage-là. Oui. C'est ça. Il y a un aspect citoyen de ce nuage-là. Qui est géré d'une certaine manière par le value accounting system, par le reputation system, par tout ça. L'idée, c'est au « at the end of the day », je veux dire. Mais c'est comme Wikipédia, OK? C'est comme… Ouais, tu ouvres un compte à Wikipédia, tu n'es pas membre de rien, tu as juste ouvert un compte.
c'est de garder cette fluidité de Wikipédia. Ça veut dire que tu peux venir in and out comme membre. Hey, tu peux participer un jour, tu peux participer une heure, tu peux participer 1000 heures. Ben, c'est comme j'avais expliqué, où chaque programme a des demandes de participation. Et c'est libre à tous les membres de participer ou pas. Le membre peut être à l'écart, regarder sur Internet, ou il peut devenir membre opératif. Ça, je dire, moi, que... je vais m'impliquer, puis là, faire des appels à tous. Bon, le labo de telle heure à telle heure, ça peut être sous ce format-là aussi. Il peut avoir une forme de réglementation quand c'est des décisions plus importantes. On peut prendre le bout de point-là. Oui. On établit un moment. Dans 2 semaines, on va discuter ou on va voter pour ça, parce que là, ça donne le temps aux gens de se préparer, puis de pouvoir être présents pour le rendez-vous du vote. Mais tout ça peut se faire en différé aussi, la technologie permet. C'est parce que l'idée c'est qu'à ce niveau-là, vous faites face à une problématique de temps. Là, parce que vous avez certaines responsabilités, je pense, que certains programmes que vous voulez bider. On m'avait parlé du summer job, ces choses-là. Oui. L'avantage de l'association, on peut tout de suite, quand on crée une association, on demande à 3 administrateurs temporaires de venir déposer les objets ou les statuts. En attendant que ça soit devant le conseil des membres et que ça soit voté par les membres. Donc, automatiquement, rapidement, tu peux avoir une création légale pour paraître au délai que tu as existant. Donc, tu t'enregistres au SBL avec un avant-croquis des statuts. Okay. Pending member approval. Okay. Donc, ça te gagne du temps. Là, ils t'approuvent en tant que tel. Puis après ça, là, tu fais les modifications de statut. Tu gagnes du temps, mais là, tu prouves que tu as été... je suis en train de faire des barbouilles sur ton dessin. OK, donc ton conseil d'administration, ça te permet de prendre donc, l'idée, c'est que tu as 3 administrateurs temporaires qui font la création de ta structure légale. Oui, oui. Pending member approval. Fait que là, à ce moment-là, ça serait la solution. C'est intéressant. À l'heure actuelle, pour répondre à tes besoins, donc tu justifies ta création légale. Après ça, tu peux vraiment imposer ta structure de la façon que tu veux. Parce que là, tu t'es donné un temps où tu vas faire voter ça par tes membres. Donc, c'est pour ça que je suis venu ce soir un peu à dire, parler de ça, parce qu'on avait parlé des délais que vous aviez à respecter. Là, donc, oui, non, c'est ça pour fait ça une réflexion très intéressante. Non, non, mais ça fait partie de la logique de ce groupement-là. A lot of these ideas have already been said. C'est juste que tu viens nous bouleverser un peu parce que ça fait 2 ans qu'on pense d'une certaine manière. Oui, mais c'est parce que moi, je l'ai fait à plusieurs sauces, puis je vois l'avantage de créer ce qu'on veut dans ce système-là. Ouais. Et je trouvais que dans les délais, je trouvais que c'était une façon rapidement de créer quelque chose qui a du sens, puis se donner un maximum de leeway pour savoir on veut gérer ça comment. Le moteur est en train de tourner à un autre régime. Il y a des réalités, il y a un paquet de projets qui vont se mettre en branle. Ça vient de définir une nouvelle dimension pour le système. Ben, c'est ça. Ça arrive à point. Là, il y a une structure qui peut être reconnue de façon crédible. C'est pour ça que je parlais vraiment de quelque chose qui peut être vu comme une méthode efficace. Et quand les gens vont voir votre projet, ils vont lire les statuts. Mais là, si tu cherches à leur expliquer ton système, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vont dire, je suis pas à l'aise avec ça. Oui, dans le monde, c'est ça qui est problématique dans le sérieux de l'entreprise que vous avez démarré. Le potentiel de bien que ça peut débouler, ça serait vraiment dommage d'être puriste dans un organigramme et préférer choisir un organigramme, je veux dire, qui est plus traditionnel, mais qui nous permet autant de flexibilité qu'on veut. Et qui nous garantit une réponse, une réponse positive de l'ensemble de la société. Oui, on peut être des puristes, mais tu rentres quand même dans l'espace. Mange maigre. Sauf qu'il ne faut pas se couper les jambes. Mais on dort bien. Il faut pas se couper Il faut pas se couper les jambes pour quelque chose qui certaines d'entre nous croient que c'est d'avenir quand même. Ben, à ce moment-là, c'est comment qu'on peut l'incorporer. Il ne faut pas fermer la porte à d'autres choses. Ouais. Parce qu'on est quand même dans l'innovation sociale puis dans l'innovation économique. Là. Mais déjà, par un système où on met des ressources en commun dans le but d'open source, je pense que déjà là, tu es dans l'innovation. Déjà par ce moment-là. Oui, mais on peut innover plus. Oui, c'est sûr.
En autant qu'on ne se ferme pas la porte. Si on le fait de manière temporaire, comme tu dis, parce que c'est plus légitime, parce que c'est mieux vu, parce que c'est mieux compris, ça va en autant qu'on ne se ferme pas la porte à d'autres choses. C'est pour ça que dans les statuts, c'est important vraiment de se donner les statuts qui permettent vraiment un leeway, au point de vue organisationnel. Donc, tu peux statuer qu'est-ce que le conseil d'administration peut faire. C'est ça. Puis, à un moment donné, tu peux choisir une date où tu tires le plug, c'est ça? Une date où tu passes, où tu votes pour le soi-disant. Un référendum pour changer la constitution. Un référendum pour accepter le fameux statut. OK. Alors, s'ils sont rejetés, à ce moment-là, tu reviens dans une autre formulation, tu peux jouer là-dessus. Oui, je comprends ce que tu veux dire. OK, ah, ça marche. Mais il reste que. Ah, je suis d'accord avec ça, oui. Again, I just. Sort of want to picture that I think a lot of these ideas have already been set, and this is sort of the original proposition that we had as well, sitting around. The only thing we hadn't considered was association. We were doing exactly the same thing with cooperative model, but I think association makes it easier. Association legally makes it easier. So the idea is this: two different ideas. The first one is what we were talking about, decision making. Okay. So the decision making, sorry, you're on the other side, is, let's say you have two types of decisions. There is all, so let's say this black here is sensorism, okay? And we want to make a decision. We'll make a decision through trust network, a proxy, through a particular thing. Let's say it comes down to this four or five people, and then they make a decision, okay? And it becomes very dynamic. The other way around, let's say if they have a conflict in a particular project, they will resolve it themselves. If they don't, let's say, they can go back to the blue one. And like, hey, we can't resolve the conflict. Okay, we can't. Let's go to the red one. Let's go to the black one. And they will keep on going to the bigger and bigger network until they resolve the conflict or until they have included everyone and have asked everyone for their vote. So it sort of becomes an inside out and outside in way of taking decisions just based on where there is a conflict. My concern with this is the way it always becomes is there's only one leader there in the group that's always, you know, making the end decision. So at the end of the day, this system resembles something that has that as a. It's always going to be the one who's going to direct. So we finally end up with a system that looks like this. It always does become like that. The only difference is it's very temporary. Second difference is it's trust-based. Third base is it's competency-based. And the fourth one is they're not corruptible because you don't know how many votes you have and you don't know who else has votes. So because of this anonymity on your power of voting, your behavior is normal to how you would behave normally. So you're not influenced by, let's say, I have 1,000 votes, so I'm going to vote differently. You're voting as if you were voting for yourself. And then because you have expertise, you will end up voting for, let's say, 500 people, but you wouldn't even know. But, you know, someone who has a good reputation end up with 1,000 votes that people say, you know what, I trust you, you get my vote. Regardless of what you decide, I trust you. So you end up having someone who's always going to sit. But you don't know what that number is. No one knows. No one knows who has that number. That's anonymous. C'est fait de même. C'est pas so it could be this, it could be this, it could be this. It could be any one of them who could have 1,000. We don't know. Because it's all hit. That's the anonymity. So it could be this, it could be that, it could be that. Well, that's exotic. No, it's exotic. It's exotic, but like I said. The structure exists. Purists, I agree. It's interesting on the way that, that's innovation. But technically, what are you trying to do? Are you trying to move to the next step? Or are you trying to, you know, explore new ways of doing things? Or at the end of the day, we're serious now. Why? Because there's money laying around for guys like you doing drones. No, but that's exactly the thing. We're trying to choose effective mechanisms of decision making just because that. Yeah, exactly. That's the driving force. Is there's money there waiting for you guys. Get organized. But that is organization. This is organization. Now what you're saying is that this is not. But the money is kind of scared of this. I don't know why. It's not. It's not. Hang on. So that's governance. But let's talk about legal level now. So how do you translate that into something that's legal structure? Okay. So and I like the idea of association. So you can have a charity association. Yeah. Okay. That is for the members. Again, charity being the mandate being I'm helping the community of entrepreneurs, helping them. Or just education purposes. Or education people purposes. Learn a lot and of share and stuff. So you qualify. So these members are part of this association. Again, these members are part of
for-profit association. And this, the dual relationship here is this. You were talking about legal exchange forum. You can have multiple legal exchange forums. Okay? And then you can also have things like contracts. So all of these legal entities have a contract. So that rather than figuring out, okay, well, we owe these people and these people and these people money, you can go through a sort of a centralized organization that will help you just transact much more efficiently. It's just a matter of reducing inefficiencies in the system, yet having this structure. Yeah, but you can create as much structure as you can. That's not a problem. Right. That's really the issue here. The main driver of all the dollar available for that drive, this is Sansoika. This is where you're going to put all the available resources in common. So all the project will be driving to an open source environment. This is basically what will drive the dollar. And all the output will be just a plus, because this is where the money's lying around for guys like you. But once again, they say, oh, okay, get involved with a university. We'll trust you. No, because we have an association. Okay. That will be membership. Now, the membership, the idea is like this. You know, now they don't trust you. They say, go and get involved with someone else. You got to be credible. Sadly, Je pense que le timing magique ici. Il va nous envoyer une photo de Sansoika en vol d'hélicoptère. Très bientôt. Bon. Merci. February 7th, keep it open. Sansoika. Okay. So it's done. But you'll see me here way before that. Okay. What do you think of that? No. Let me address that. Okay. So what happens here is you were talking about membership, how you organize membership. You can organize membership around projects. So based on which project you're in, you have a drum, you have Sansoika, you have Jan, you have all these different groups. You can have different membership, you can have crossover between memberships. Okay. But you have to define every single one. Yeah, you can define them by the project, etc. I'm sure you can figure out creative ways on how you want to define them. You can define them by their charter, by their brand, by their values. There's a lot of different ways you can define. And you can keep on adding. That's why you can just define the project and just put a membership, unique membership attached to it. This makes more sense, in my opinion, because the decision making is based around a project, not based around a function. Okay, so a financial person can be here and here, rather than putting all the financial person in one location and like, okay, well, finance people make the decision. No, but everything is within the context of what I put in my system. Is only people who put $150 is member of financial. Member of financial could go everywhere, but it's just a class that allows to elect the treasurer. Right. So I could have financial member anywhere. Yeah, this. But you cannot be financial member if you don't pay $150. Right. That's the only. In my opinion, this removes sort of that class what you were talking about, because it's association with respect to what are you trying to build at the end of the day? It's a trust network. Okay. Which is basically saying we trust each other, that's why we're here, that's why we work together. Because if there was no trust, there's nothing else. Who's driving everything up is the project. No one's driving anything. The driver is the project. I want to be in the drone team. Why? Because drone is what I'm passionate about. Right. Be there. Be there. Exactly. But I'm not involved in, dude, do I trust this guy? No. I trust the problem. I'm here for the drone system, not because of the trust issue I have with this and that. I want to participate because I believe in that project. This is your reason. And the idea of having an open project saying, but this project is on the way because we're a bunch of guys who believe in there, and this is the opening for those who are willing to contribute. Like your cast, well, let's call everybody in Facebook. But even though in my system you can, if there's not enough member willing to go into a project, we as the association open the collaboration to outsiders. You can put that as a rule as well. You're not, you open it free, so you're never lacking people. Mm-hmm. But the base you want is one to create someone of a system of loyalty with your member. The member wants to be member. Why? He gets to go to conference. People get invited. He get a weekly
form that send, and you know, we have access to all this. He wants to be a member of this organization because of all these things. So you want to drive membership, and they pay a fee too. So this is a support base that's already there as a security, and the member receive all the benefits, you know. And they will get involved because you create a loyalty system. When you open up spaces, we need, you know, this, that, and that for that project, they will respond. Mm-hmm. But when it's all mixed up, that guy said, I never get my voice heard. Why? Because that's the decision is over there. So this guy is leaving because he's not getting his I don't see how that can happen. That happens. This guy is not seeing himself. I don't know. I see that. It's become, you know, driving over there. You know, where is that feeling of driving going to come? I don't know. It depends on the vote. So for issue one, the force votes here. Issue two, the trust network leans towards this because these people are engineers, right? Let's say an engineering issue. This person says, "Well, I'm going to press it down." They're just deciding about a small little problem. They're not deciding about the branding of the whole thing, or it's not big decisions. It's like, should I put this resistor or the other resistor? Yeah, but even though the system with a CA, what the CA is making decision that matters, what and what kind of font. The other decision, the day-to-day, how we deal with that, and now we calibrate the thing, this is done like you know, common sense individual and said, we have an issue, how we resolve it? Yeah. But you got more expertise, go ahead. I mean, this is day-to-day. I totally understand your idea that you say you guys are, if you innovate too much, you scare people because they don't understand you. So I agree with you. If you're too far in the future, you will not get understood, right? So you need time to develop trust in your new system. Mm-hmm. Okay, I totally agree with you. What I don't agree with you is that I believe that you don't trust the efficiency of new ways of doing management of resources, decision making. And what I'm trying to convince you that there are new ways, okay, of organization and decision making and resource management that are very effective. You know, so my only thing is that, you know, I would even support your initiative to say... I will support yours. To say we try exactly what he says as long as we put a deadline on it and exactly. After one year, we reconsider everything. After 2 years, we reconsider everything. Let's decide to... Ooh. Thank you very much for coming. Merci. Your opinions are very much appreciated. They are. Brainstorming here. Yes, and you guys will be here tomorrow still. I know. But I'm gonna agree with you that exactly what I want to propose. Because I want to give a chance for these things in order to get recognized out there, you need to have that like form that I prescribed. You get recognized as a serious and organized and recognized form. But this is what you cherish. Yeah. This is what you cherish. Yeah. You let it open. So, like you said, the deadline of 1 year, when you get result at the end of the day, when you get, you know, a lab functionized and a current form applied, now you can propose this. Yeah. Or bit by bit you propose one thing at a time. Exactly. But now you go back to that system. But what you want to do, you don't want to mess with this. They need to accept. It's not crazy in a sense. It's an incremental change. That's right. In order to get recognized for who you are and what you tried to do. And you get recognized by more. Because you can't even use like a democracy to get to that structure. Because the Conseil d'administration, they impose it to you. The conseil d'administration fait juste respecter les statuts. Il faut établir les statuts. Oui, c'est ça. Là, il faut non, mais son existence est obligatoire. Compatible avec l'idée générale. Là. Mais l'idée ici, c'est qu'on peut rendre ça flexible. S'il y a cinq membres qui décident de faire un appel au conseil d'administration pour résoudre une problématique. Donc, on est, au lieu d'avoir toujours les mêmes qui drivent tout ça, on peut les avoir au conseil d'administration, assister d'un des similaires.
tranquillement, là, la structure est reconnue. Mais le système, le conseil d'administration, il doit exister. Il n'y a pas le choix dans une association. Donc, on n'a pas le choix de faire quand. Mais tranquillement, pas vite, la structure peut se dé... Comment si vous le désirez, si après un an, comme tu disais, que le système, l'idée, c'est d'être reconnu, d'avoir une reconnaissance. Ça, okay. Et à ce moment-là, là, tu peux arriver et décentraliser le conseil d'administration ou le castrer ou y enlever parce que c'est la décision des membres qui décide le format final. Les statuts restent des barrières parce que c'est quoi que vous voulez faire? Vous voulez justement favoriser le développement open source. Ça, c'est des piliers, ça. Vous n'allez pas contourner ça, là. C'est l'aspect organisationnel, les in-laws, les bylaws. Who does what when? That becomes the bylaws. That is, you can modify the bylaws. Yeah. And at that stage, you say, okay, the CA is not involved in the decision of who does what anymore. It's going to be based on but we can't start free with... for all. No, you can't. You can. Connect four. But when you the talk Connect to people, four system. You need to show them that you have a conseil d'administration. Whoa, wait, you can, but you can do that even when they couldn't work. It has nothing to do. Yes, but listen. Right? Like, how do you make decisions internally? Logically, you go ahead with this. As long as they see a conseil d'administration. Yeah, exactly. Right. As long as there's a title, they won't care. So they can always give any other title to Liquid Democracy. 1 year? We take votes. It's like, hey, I think this person should be the president. But no, it's not. Non, mais la différence, c'est que là, si tu as affaire à qui crée ou quoi, tous ces organismes-là, et là, tu proposes des différents projets, ils vont vouloir parler au conseil d'administration. C'est eux qui représentent. Alors, si toi, tu arrives, c'est. Puis là, si toi, tu arrives, c'est avocat véreux numéro 1, avocat véreux numéro 2, puis là, les avocats changent, puis ils sont pas capables de dire, mais à qui j'ai affaire? Where's the trust relationship between the CA and the money? Alors, si tu m'ouvres et la personne n'est pas en contact, I don't know what they're doing. Okay, what's going on? What's the resolve? I pay for it for now. What's going on? I don't know what they're doing. I'll call XYZ. What the hell? Guys, be serious here. Big money. Non, il y a de la structure. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un système de rôle. Oui, mais le rôle, je veux dire, le rôle, il se fait dans la structure morale avec... Oui, ça demande une certaine permanence dans ce cas-là. C'est ça, oui. Donc, déjà, vous pouvez, une fois que c'est établi vos relations avec les partenaires financiers pour différents projets... De facto, c'est comme ça que ça se fait, parce que François, il prend le rôle de prendre le téléphone, check le téléphone, etc. Donc, de facto, c'est comme ça que ça se fait. La crédibilité, une fois qu'elle est établie, à ce moment-là... The result becomes the same, which is you end up having the same role. It's the process that we're discussing. Of how you take decisions. So, and from that perspective, it doesn't matter because the process, this is both the processes are valid. Yeah, but this what is we believe, what TB was saying, and what I also believe is one process is more efficient, but the result becomes the same. Okay, but at the end of the day, the credibility will be based on the result, not on the process. Based on the result, but at the end but of the day. But they will not trust your process. But they don't have to. So, like, don't mention the word liquid democracy. Right, exactly. And that's why, who cares? Who cares? You can do it. Who cares? You don't have to tell them what your process of taking decision is. As long as they have to say, let me see. And the fact that they're going to, any kind of structure, if they want to put funds on it, they're gonna say, well, let's see where you are, who's dealing with what. And, okay, let me sit at your CA and see what's going on. And so you can always use that as the first year, as a structure that's more traditional yes. in that respect and says, okay, come and have a sit. And now you get the guys who usually drive all this, sitting down day to day and resolving all the issue there, and that credibility will be massive. And that's why at start, I think the idea of let's do the traditional one a year to build that trust system saying those guys know what they're talking about. And they're efficient, and there's a quick response doing what they do. So at least there's, and then after that, you do whatever you want with your CA. That's after they say, hey, you know what, we've been using Liquid Democracy, we didn't tell you, but you know, but you know, at the so this can be ceremonial. It is ceremonial. That's what I'm trying to say. The management way, if you're a president of a group, you can manage it as you want. It's your call. Yeah. If you decided to say, I take no decision and always my employee is going to take it at my place, this is your call. This is the only decision you took to don't take decision. So that's fine. Yes. And you let the thing running. Yeah.
yeah. at the absurdity of the time. So it's an interface and it's ceremonial. Yeah. It is. And an interface should be stable. I agree with you. This is where the custodian is important, yeah. right? Familiar faces, they so mean, there's a difference the between roles. So there's a difference between roles and custodian. Custodian is more familiar position or relatively more stable position because you need that interface with the outside. Yes, yes. Okay. So you again, but you choose the custodian through liquid devices. So you could use yeah. that those way. You know, if you do that, now you. It's a copycat. When you call some a company, the PR person takes. You think that PR person? Yes, you could use it as a talking. But when you drive, of course. Okay, when you drive a project, example, I don't know, you know, the drone system. Now it's going to be the drone team answering whatever information that project will push out. Yeah, that if you're going to use talking heads, I'm just wondering, credibility wise, how are they going to? I mean, but who's answering for what? But I'm giving you talking head as an example. Yeah, what liquid democracy gets you, it's not necessarily talking heads. It gets you the best topic. Which means only the best person for that role. Yes. Now, if it requires talking head, it'll be the best talking head. If it requires someone who can negotiate, the problem the best is that the problem is that the problem is that it has to be the same all the time. And that's fine. Oh, no. Okay. So the guy should be there with beside him. No. Somebody who's got, I bring, because that question is very complex, I bring my specialist with me. Who's one of the guys? Yeah, that could have that implication as well. And I think that could work as well, as long as there's a stability right. in the talking. Yeah, yeah. And transfer of credibility is much more powerful than if you go alone. If you are and you bring the project manager, you will explain. More yeah, power. I think it's you're right. That's yeah. going to look more credible. Yeah. Okay. If you want to do that side, I mean the liquid democracy, I'm just is that gonna at the end of the day make sure that that lab is yeah. No, we have to tone it down. The output that it needs to. Look how these things. Okay. We've been presenting ourselves as a corporation for 2 years. All this is talk to scientific everywhere. This is, and you know what? The SEDEC, they knew us for 2 years on talk to scientific. One day we came to the SEDEC and we say, ta-da! You know? And now they're our best partners. And they like us at Sensorica. It's a true story. And this has a president and has everything you need. You know, director. So we have been operating like that, you know? There was no lie here, okay? But it was not all the truth. You see what I'm saying? So you have to camouflage. You have to play because we are a new emerging entity doing good. We're not doing bad in a system that is not ready for us because it was designed for other things. And we're trying to hack it. It's hacking. It's social hacking. It is hacking. It's legitimate. It's legal. Once again, it's like the purists and how purist you want to become. So, and I think so we this see, is we a purist stance, no, and not I applaud the purists. No, we were not purists. I applaud you. No, we were not brilliant. Brilliant. Yeah. But at the end, at the end of the day, you got a guy who said, "Listen, there's a lot of money laying around for guys like you playing with drones." Yeah. And at the end of the day, there's major money involved in the organization that could get structured around what you tried to do. Mm-hmm. But if it's structured the right way, it will be a dynamo of all kinds of idea that will be made in a decent, well-equipped lab mm-hmm. instead of having to hack. So, and you can do that as a way of, let's start by being organized the right way and show credibility, but or understanding is we want to act at the end of the day. So let's give us time to prove ourselves and play the game like the Blues Brothers. And then after a couple of times, let's push this as a new form of. So here's the thing. When you're talking about innovation, I think what you're talking about, from what I understand, is this. Okay? Which is, if you do innovation, you innovate one thing. You're like, okay, I accept that innovation. You innovate three things, you're like, okay, you're taking too much risk. Yeah. You're innovating 15 different things. You're saying, here's 15 new things. You're like, whoa, too much risk. That's how the investor would perceive us. And that's what the investors would do. No, because now you have to say, decision-making process,
legal structure. But exactly, okay, at that point is your structure open is source. Like we open labs and we equip labs to get teams of researchers working on project in our labs, funding or creating open source project that we help put down on the market. Which is a company incubate. Exactly. So this is a big thing. So they're gonna ask you, how could you gonna avoid chaos of who done what, or there's so many teams involved in the, in everyday basis that nothing is always done because everybody's has a lot. How could you organize your structure in order to make sure that everything is structured enough that the whole project that you're proposing is gonna be efficient or shown to be efficient? And now you propose something that's for someone who's not, yeah, it's gonna say, but it's chaos. But the latest, there's no rules or laws or stated, or so they're gonna be scared like hell. But if you show an organization that is well structured, yeah, logically, or you propose that the people who put money will have a seat on the CA as a treasurer, something that's put the buffer when the people want or expect it to be, and you say we are putting structurally our lab in a structure matter that everybody's collaborating, so we're pouring outside our equipment, that computer will be so efficient because 24 hours a day will serve as research, mm-hmm, because your team is leaving, another team is going on. Nobody will compete with something like that. If you project it the way it is, mm-hmm, the university are fighting themselves and they're involved in something else. You are promoting something that everybody wants to see, mm-hmm, a common open lab environment, like everybody is collaborating well, into an exit out of the market. You're just creating for the sake of creating. You're creating because you want to see an application out there. Yeah. The drone is not making drone because he likes to make drones. We have to talk more about your categories of financial, because there's other things that I... And then after that, yes, I mean, once you build up that project with the big players, you're going to say, we saw you rule. That all the, yeah, those guys who filled it up didn't create that all the way. You see, this, yeah, is always, this happens all the time, every day. But the thing is, it has to be put, mm-hmm, in a way that people will say, okay, those guys are serious. Now, the administrative people are very Cartesian, like very. Yeah. If it's not like this, and if it's fuzzy, we are fuzzy. Peace and love, it's a hothead and stuff like that. Yeah. Out of my form. Students. Oh yeah, they are. Dreamers. Sometimes I go to lunch, and sometimes I met somebody who's working not too far from the downtown Montreal, and she's working on comptabilities and papers and filling up numbers, mm, on the row and stuff like that all the time. The way she's thinking, it's my goodness, it's very like this, it's very like, and she we were looking something at television. Listen, about, I'm very creative too, I don't mind me, I'm very creative. Ah, so, okay, structuring chaos, when you have to put the shoes of someone who's structuring it. Yeah. But don't mind me, I like chaos too, but structuring it is... I think about this. I'm the guy you want to say, you know that. You know that. Because that's what I do. I said, okay, who are you? I trust what you're doing. I believe in what you do. But no, that scares me. I can't go there. Mm-hmm. Who guarantee me that's going to, Yeah. This is why it has to be shown structurally, yeah, at first, as you get the real and then money. You prove the real money. One by one. Exactly. Yeah. And then after you evolve it into something that's, yeah, talking heads. Yeah. Because you don't have to prove yourself anymore. You, yeah, proved this exactly already. Yeah. But you need to have that buffer zone where you're, they're only going to see, gotta prove something before they're going to see thing in you what you're proposing. And that's an innovation of sharing a lab to all kinds of people who want to collaborate. Mm-hmm. That's innovation right there. Yeah. So if you bring that and this, they will, instead of seeing what you're bringing on the table, yeah, stuff like this. We agree. So, because we have experience, we know exactly how they think. Probably. That's why we camouflage.
There you go. So I'm not going that's to exactly teach what you anything. Yeah. I understand what you dropped. Which is, back in the days, the companies used to be structured around divisions, which were essentially products. Okay, so you have product chiefs that become heads, and then they deal, they become this. Okay. Okay. Or some administrative person, if you will, or you can have even a bit of a hierarchy here, just so that you can satisfy your investors or whatever. But this is a very temporary status until. But over in the projects, you can still have a chaos as much as you want because at that level, in that these system, people are not going to care. But in this system, you always get the best on your team to get some stupid work there instead of being where they belong in the lab. And that's why there's people who could organize, like you said, the Cartesian people like me, who could have that stuff. But at the end of the day, what you want to drive is that lab is fully equipped for regardless what we want to drive at. And we want that lab to be as equipped as possible because we don't want to be a stop to all kind of creativity that we want to drive. Yeah, and then you innovate. And they will invest in there because your structure is approved, recognized, and they know that the investment that they have to research and development will stay there for the use of God knows how many research. I think we've got the best. This is a winner system. Yeah, that's right. Yeah. This is a winner system. You just need to be presented currently.